Magasiner de la joie et du bonheur. J'ai tout mis, je me suis fait livrer mon épicerie et j'ai gardé les sacs en papier et regardez ce que j'ai préparé pour le podcast aujourd'hui. Des sacs d'épicerie, rien que de la joie et du bonheur de fait main, du loisir, sans oublier mon panier de l'été. Et je vous en parle très vite. Allez, on se fait chauffer de l'eau, on se prépare les petits gâteaux et on se retrouve tout de suite pour un nouveau podcast. Bonjour, alors ça y est, on est installé. Le thé, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pas cuisiné. J'ai acheté. C'est mes préférés. Je vous avoue tout. Alors, pour ceux qui sont à l'étranger, je dis bonjour à tout le monde. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, dans cette vidéo, nouvelle vidéo de juin. Soyez les bienvenus si vous êtes des nouveaux, des nouvelles. J'espère que vous trouverez vraiment des choses qui vous plaisent ici et que vous trouverez un peu d'inspiration et du partage. Et pour ceux qui sont déjà habitués à venir me faire un petit coucou, à venir me voir, eh bien écoutez, ça me fait super plaisir de vous retrouver à chaque fois et surtout de lire vos gentils commentaires. Merci. Donc déjà, bonjour à tout le monde et bienvenue. Et je fais un petit bonjour à Rebecca. Bonjour Rebecca. Alors Rebecca, faut tout que je vous dise. C'est une petite fille qui a regardé mon podcast avec sa maman, qui est tombée en amour avec notamment les poupées que je fais. Et du coup, Rebecca, bah, c'est ma copine. Je suis sa copine maintenant. Voilà, donc c'est trop mignon. Alors bonjour à Rebecca et bonjour à tous les enfants qui regardent le podcast avec leur maman. Et voilà, j'ai une petite pensée pour vous. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, les petits loups. Donc voilà, tout pour vous dire que j'ai pas cuisiné de gâteau. Et oui, ça m'arrive. Mais franchement, ça c'est un truc qui m'avait manqué quand j'ai vécu à l'étranger. C'est les biscuits. Vraiment. Alors là, je sais pas. On est avec un goût dans la bouche. Hein. On est avec tout un... On a beau aimer la nourriture. Moi, la nourriture nord-américaine, j'aime beaucoup. Il n'y a pas que du burger. Hein. Arrêtez avec cette idée. Mais il y a des super de bons plats. Mais alors, les biscuits, il n'y a rien à faire. Hein. Je me faisais envoyer des colis, genre colis de la Croix-Rouge, mais de biscuits, quoi. Bon, bref, alors ça, c'est mes préférés. Les Chamonix, ou Chamonix, avec de l'orange. En fait, c'est de la marmelade d'orange à l'intérieur. Donc, voilà, je vous montre un petit peu hein, ce qu'il y a sur la boîte, c'est pour vrai. Et c'est une sorte de petit pain d'épices. Avec la marmelade à l'intérieur d'orange. Et ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez ça dans votre région, aux nonnettes. Les nonnettes, c'est vraiment le petit rond. Ça fait comme un galet, on dirait. C'est plus petit qu'un galet de hockey, mais qu'un palais. Mais voilà, c'est rond, c'est plat. Et c'est vraiment le pain d'épices avec la marmelade d'orange. C'est encore plus fort que le Chamonix. Mais le Chamonix, c'est fin, c'est... Voilà, c'est... Donc vous l'aurez compris, je suis très fan du Chamonix. Et donc du coup, je me suis gâtée ce matin, je me suis pris ça. Ça fait du bien. J'adore ces biscuits-là, donc entre autres, hein, parce que bon, on pourrait faire la liste, mais c'est long. D'ailleurs, je me suis pris des munitions pour cet été, pour du monde. Regardez, j'ai acheté des chamallows. Ça, c'est pour passer mon été, voilà. Donc, vous savez, je suis gourmande et je trouve que... Ça se marie bien avec nos petits projets. Un petit rang de tricot, une petite guimauve.
bien. Voilà, enfin bon, tout ça pour dire. Ici, ça s'est replacé. Donc, nous n'avons pas tous été malades. Il y a juste ma fille qui a été malade avec le Covid. Elle s'est très bien remise. Elle a repris sa vie normalement, les cours à l'école, etc. Et nous n'avons pas été malades, le reste de la famille. Donc, tant mieux. Hein, je veux dire, on est passé à travers. Et ça va. Donc, voilà, l'école finit dans une semaine. Là, on est lundi. Et l'école finit vendredi pour eux, puisque il y a les préparations d'examens, etc. Et donc, du coup, il n'y a plus, plus de possibilités. Ils pourraient aller pour une heure par-ci, une heure par-là. Mais bon, voilà, on est convenu que c'est plus facile de gérer ça. Donc, comme ça, en étant à la maison. Donc, ils ont fini. De toute façon, ils ne font plus grand-chose. Donc, l'année s'est bien passée. C'était une année difficile hein, pour tous les enfants. Je pense pour tous les enfants du monde entier. On a été très exigeants avec les enfants. Donc là... cool les vacances, cool. Et d'ailleurs, moi-même, je vais me prendre un petit peu de congé. Donc, ça va faire du bien. Plein de choses de prévues. Donc, j'ai fait mon épicerie. Ah oui, parce que quand on était confinés, bloqués à la maison, donc on était très, 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 très sérieux. Hein. Je peux vous dire que je me suis fait livrer mon épicerie. Avant, j'allais dans les magasins comme tout le monde. Et là, de faire livrer l'épicerie, mais... Oh, mais c'est trop bien. La fille qui débarque et qui découvre. Donc, je me suis fait livrer mon épicerie. Et alors, à chaque fois qu'il livre, donc le petit monsieur avec son petit camion réfrigéré, c'est génial. Tout est bien rangé dans les sacs et tout. Et alors, ça, c'est un truc que j'adorais. J'adorais ça au Canada quand on faisait l'épicerie, avoir les sacs en papier. Et du coup, c'est livré dans des sacs en papier. Et je trouve que c'est juste génial. J'adore l'odeur, n'importe quoi, ça commence bien la journée. J'adore le bruit du papier, ça donne un petit truc authentique. Bon alors, il y en a un qui m'a échappé, j'ai eu de la chance, il y a une bouteille en verre dedans et la poignée a lâché, clic, mais j'étais juste près du sol, donc j'ai eu de la chance. Mais sauf que j'ai récupéré ça et je me suis dit, bah tiens, tous mes bacs, tous mes paniers sont monopolisés et j'ai mis tout dans des sacs. En fait, tout, n'importe quoi, pas tout quand même. Mais je me suis dit, chaque fois que je faisais un projet, je le mettais dans le sac. Et puis finalement, je me suis dit, mais tiens, je me suis magasinée du bonheur ce mois-ci. Parce que c'est que des petites choses qui me font super plaisir et qui vous ont fait plaisir en partie et qui m'ont fait plaisir. Donc c'est parti. Alors, il y a un sac d'épicerie. Deux choses que j'ai faites. Ou qui sont en cours, etc. Entre autres parce qu'il n'y a pas tout qui rentre. Hein. Vous voyez, il y a les sacs comme ça, là, ça ne rentre pas dedans. J'allais pas non plus avoir un camion. Vous voyez, sinon, il y aurait eu des sacs jusqu'au bout de la cuisine. J'ai un sac de vraie épicerie. C'est-à-dire que j'ai fait mon épicerie de laine, de tissu, de trucs de broderie et tout ça. Donc ça, c'est un vrai sac d'épicerie. Et puis... il y a le panier de l'été. Hein, c'est vrai que je ne suis pas revenue faire de vidéo sur le panier, mais je ne vous oublie pas. Cet été, je vous fais ça. Je vais tout vous expliquer. Donc, on va y aller dans l'ordre parce que sinon, on va se mélanger. Et ça, c'est mon panier de l'été. Il faut que je vous explique en quoi ça consiste. J'ai rêvé de ce panier depuis des lustres. Je me suis payé ça il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans. Et franchement, j'en avais rêvé de ce panier. Je le voyais passer sur les marchés. Mais bon, voilà. Donc, il est rempli pour cet été, pour passer un très bel été. Donc c'est parti, on va commencer un petit peu avec ce sac d'épicerie, de choses faites et de choses d'en cours. Et on va commencer avec la fameuse broderie, puisque j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, donc je veux passer rapidement là-dessus. Et donc je vais vous parler de la broderie. Alors, la broderie de l'été, c'était l'herbier. Là, vous vous rendez bien compte de la taille que ça fait exactement. Hein. L'herbier en broderie. Donc ça, je vous ai tout expliqué dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo spéciale, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est la vidéo juste avant celle-ci qui présentait la broderie de l'herbier, qui vous donne le patron, qui vous montre un petit peu l'avancée et qui vous explique un petit peu la démarche. Pourquoi j'avais fait cette broderie, en fait. Vous voyez, ça fait un petit peu... comme ça pourrait... Oh là là, ça pourrait être un set de table. Oh, faut qu'on se fasse ça, un set de table en broderie. Oh, faut que je note. Oh, je note l'idée. Oh oui, ça ferait comme un set de table. Regardez, c'est trop bien.
Oh oui, c'est une bonne idée. Oh là là, ça mettrait de la bonne humeur le matin. Mettez votre set de table. Enfin bref, voilà, ça c'est comme voilà, un petit panneau à accrocher. Et voyez, donc c'est très joli. Vous pouvez même l'accrocher à une fenêtre. Et vous avez votre petit herbier. Alors, j'ai récupéré, enfin j'ai récupéré, j'ai fait des dessins de fleurs, de fleurs séchées, de petits arbustes qui me semblaient vraiment très très chouettes à faire. Et tout ça dans les mêmes tons, donc le ton bleu, tout ça je vous l'explique dans la vidéo dédiée. Et donc voilà, j'avais fait herbier d'été. Donc pour la personne qui m'avait dit, dommage, tu fais toujours en anglais. Là j'ai pensé à vous, j'ai fait en français, hein. J'ai fait en français, j'ai pensé à vous, voilà. Mais ça peut être remplacé aussi. Donc alors cette broderie, vous voyez ici, hein, c'est un petit peu maladroit, j'aime bien. Ça fait vraiment, ça donne le côté un peu vieillot, mais aussi côté bah, nature, quoi. C'est un peu maladroit et c'est ce que j'aime. Ces jolis boutons en bois que j'avais trouvés dans une boutique locale. En tout cas, voilà, tout un panel de broderies, enfin, que j'aime. Voilà, pour cette broderie. Ça, c'était vraiment le projet, le gros projet qui m'a pris le plus de temps, que je voulais vraiment vous sortir dans une vidéo. Mais voilà, c'est fait, on n'en parle plus, on passe à autre chose. En ce qui concerne la broderie, je me suis quand même fait plaisir. Je vais vous montrer ça. J'ai continué le superbe châle qui a son sac dédié de un petit fil de Fabienne, de un petit fil boutique. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est de toute beauté, franchement. Alors là, on a reçu la deuxième partie. Alors, si vous voulez, donc si vous embarquez en route, le stitch along, donc le châle, avec un petit fil boutique, donc Fabienne, ça se passe sur Facebook, sur un petit fil. Elle a un groupe privé, vous pouvez vous inscrire, enfin lui demander d'entrer dans le groupe privé et certainement vous laisser rentrer si vous êtes intéressé de faire la broderie. Sinon, vous pouvez aller directement sur son blog où elle a mis les grilles, puisqu'elle offre les grilles gratuitement. Vous avez possibilité de prendre soit les fils, la toile que vous voulez, soit aller chercher les kits dans sa boutique qui est de toute beauté. Elle a fait une porte ouverte. Oh, c'est dommage que je sois loin parce que j'aurais rêvé d'aller faire un tour dans sa boutique physique. Mais voilà, donc voilà, ça c'est la deuxième grille. Donc, je vais vous montrer la deuxième grille. Allez voir le blog, c'est bien plus chouette. Donc ça c'est la première grille. C'est extrêmement bien expliqué. On vous explique les brins, les couleurs, tout est bien placé, donc vraiment je trouve que c'est brillant. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, moi j'ai choisi une toile, vous voyez, une toile couleur lavande, un peu ouais, lilas, lavande, un peu les deux, je vais enlever l'aiguille. Et je vous montre ce que ça donne pour commencer. Voilà. Vous avez les trois petits cadres, trois petits carrés qui sont. Vous voyez, je vois rien du tout. Donc voilà, là c'est bien. Je vois si je vous approche ça bien ou pas. Vous voyez un petit peu les fleurs, les petits papillons, les petites trèfles. Vous voyez, c'est riche de détails. J'aime beaucoup. Alors ce qui est dommage, c'est que l'écran. Voilà, vous voyez là, c'est la belle couleur. Quand on approche, c'est plus pâle. Ah. Voilà, là ici vous voyez la belle couleur un petit peu rosée, vieux rose, vieux mauve de ma toile. Donc ça c'est la première partie. On a reçu donc la deuxième partie. L'avantage de ce châle, c'est que vous avez un mois pour le faire, pour faire les trois petits cadres. Un mois pour faire trois petites parties. Ah, c'est quand même très bien. Je n'avais pas trop jaugé un peu mon temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en y allant de temps en temps, je n'y vais pas tous les jours, mais de temps en temps, ben finalement, j'arrive au bout et je suis arrivée juste bien. Et je me dis, oh, ben il est temps d'avoir la deuxième partie. Donc, j'attendais patiemment d'avoir cette deuxième partie, donc, qui fait suite en dessous au petit carré. Oh, juste génial cette partie. Oh, je veux garder la surprise, aller voir le blog de Fabienne, un petit fil, parce que vraiment, je trouve que c'est tellement de boulot, quoi, préparer la grille et tout,
que vraiment je veux que vous alliez voir son site. Allez le voir. C'est vraiment chouette. Mais si vous voyez la première partie, bah dites-vous que la deuxième, c'est encore mieux. Et alors, ce que je trouve génial, c'est qu'elle donne des petits thèmes. Donc, ça s'appelle le jardin de brodeuse, si je me trompe. Mon jardin de brodeuse. Et vous avez donc tout ce qui tourne autour des fleurs, la broderie, et édité. Donc, c'est chouette parce que c'est vraiment, vraiment tout ce que j'aime et tout ce qui est chic. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est drôle, hein, parce que les Américaines font beaucoup de choses en broderie qui est patriotique. Très ancien, très patriotique. Je vais vous en montrer un petit peu. Et là, je suis contente. Vous avez les Anglaises qui font un peu autre chose aussi, comme style. Et là, je suis contente puisque c'est vraiment une touche française. Et c'est vraiment amusant de voir les différences entre l'approche des broderies. C'est juste marrant. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu le style. Regardez, vous voyez, ça c'est la broderie que je suis en train de finir. Qui est dans le style anglais-américain. Voilà, vous voyez un petit peu le style. Et à côté de ça, vous avez le style français. C'est marrant, hein. C'est comme pour les jardins, hein. C'est vrai, hein. Et le style français. Regardez. Vous voyez un petit peu? C'est juste rigolo. Et alors, si vous allez voir des compagnies italiennes qui font du point de croix, c'est encore un autre style. C'est ça qui est génial. C'est vraiment... vous voyez la différence quand vous... Et avant, j'y faisais vraiment pas attention à ça. Mais bon, voilà. Donc là, le sale, un petit fil qui est juste du plaisir à faire. C'est vraiment chouette. Je vais me le mettre dans ma chambre quand il sera fini. Et alors, j'ai hâte de voir ce que Fabienne prévoit pour la suite, puisqu'il y a des petites charms. Oh, faut que je vous montre. Je vous ai pas montré mes petites charms. Donc, dans le kit qu'elle propose, il y a des petites charms. C'est des petites babioles qu'on rajoute. Des charms, c'est des... comment je pourrais dire? Des petites breloques. Et dans son kit, vous avez les petites breloques. Moi, j'ai juste pris le kit de fil de Fabienne, le kit qui était associé à ce calme. Et j'ai... rajouter, donc pour le jardin de brodeuse, j'ai acheté des petits breloques. Regardez, j'ai acheté une petite pelle. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. Hop, attendez voir. J'ai acheté une petite pelle. Voilà. Elle est rigolote, hein, toute gravée. Il faut que je la fasse, pas que je l'échappe dans mon thé. Regardez. Hop, petite breloque comme ça, une petite pelle. Donc qui s'accroche par un petit anneau ici. Voilà. Ça, c'est ma petite breloque de pelle. Et je me suis trouvée... Donc, je ne sais pas combien de breloques je mettrai. Hein, Et je me suis trouvée une petite... Oh, c'est pareil, ça s'accroche pareil. Une toute petite... comment ça s'appelle? C'est une petite griffe. Ah, on ne voit pas très très bien. Hein. C'est un peu flou peut-être. Oh là là, c'est pas pire. Bon, bref. C'est une petite griffe. Avec une petite pelle pour rappeler le jardin. Voilà. Vous voyez, c'est tout petit. C'est tout mignon. Et donc, voilà, je me ramasse mes petites breloques. Et je les insérerai. J'attends de voir quand ce sera fini. Hein, parce qu'il y en a pour quelques mois. Et c'est ça qui est génial. Puisque ça dure. C'est pas trop exigeant. C'est pas exigeant du tout, même. Et c'est vraiment un plaisir. Ça, c'est le sale de un petit fil que j'ai continué. Et que j'adore, que je vais laisser, hop, je vais laisser ça ici. Et donc, je vous parlais de la version plutôt... alors, c'est vraiment le style anglo-américain. Et c'est rigolo parce que c'est fait par une hongroise.
C'est vraiment, on y retrouve vraiment le style. Donc, c'est ce patron qui s'appelle aussi Jardin de Brodeuse, mais en anglais cette fois-ci. Et avec le mix de couleurs que j'ai pu trouver, puisque je vous avais expliqué que j'avais fait des changements de couleurs, je ne trouvais pas les couleurs d'origine. Voilà ce que ça donne. Il est plutôt joli. Et là, je suis en train de faire la bordure. Il est plutôt joli. Hein. Je l'aime beaucoup. Donc là, il y a toute la bordure qui vient. Je ne sais pas si vous voyez la bordure autour. Une espèce de petit cadre ici. Donc là, il y a toute la bordure qui va venir autour. Et qu'est-ce que je vais en faire? Alors, autant que la broderie d'un petit fil, là, le stitch long, je vais le mettre donc dans ma chambre. Je vais voir un peu comment ça s'agence avec le cadre. Autant celle-ci, je vais en faire un petit coussin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Sinon, je vais vous mettre peut-être un lien pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Souvent dans les vidéos américaines, on le voit. Les petits coussins, c'est que vous avez la broderie. Et derrière, vous avez donc un tissu pour faire un petit coussin. Un petit coussin, c'est quand même pas compliqué à voir ce que ça donne. Et en fait, ce sont des coussins de bienvenue, des coussins de déco. Donc, souvent dans l'entrée, dans les maisons américaines, typiques, on va dire, classiques, vous avez dans l'entrée une console avec un petit plateau et vous avez des petites choses, des petites babioles, des petites choses comme ça qui sont pour décorer et faire chaleureux dans l'entrée. Et donc, je vais me faire ce petit coussin pour la bienvenue, pour la déco. Donc voilà, donc là je vais finir, ça c'est mon objectif de cet été, je vais finir le cadre et je vais en faire un petit coussin. Voilà, juste pour poser en déco. Je l'adore ce modèle, il est juste beau à faire, il est... Oh, ma partie préférée, c'est cette plante qui grimpe. J'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez pas trop le fil là qui descend de l'aiguille. C'est un fil quand même assez pâle. Donc en vrai, on le voit. Mais en vidéo, on ne le voit pas trop. Moi, j'avais choisi de faire ça sur une toile un petit peu gris perle. Donc peut-être que ça ressort moins aussi. Mais c'est vraiment c'est plaisir du point de croix. C'est... Oh, voilà, je redécouvre. Je faisais du point de croix, mais sur la toile Aïda quand j'étais plus jeune. Et là, on redécouvre... Le plaisir de broder. Oh, faut que je vous montre quelque chose que j'ai fait. Donc, ça, c'est dans mon sac, voilà, dans mon petit sac, un petit peu, vous voyez, avec les oiseaux. On dirait que c'est une toile ancienne. Donc, ça fait un petit peu toile traditionnelle. Du coup, je me mets mon projet d'une toile traditionnelle là-dedans. Faut que je vous montre pour la broderie que je me suis fabriquée. Ça, c'est dans les nouveautés. Donc, vous verrez, je vais vous montrer un petit peu. J'ai vu ça, j'ai rien inventé. J'ai pris l'idée dans les podcasts anglais et américains. C'est cet anneau avec un petit cabochon au bout en porte-clés. Cet anneau, hop, qu'on ouvre comme ça. On peut mettre nos bobines de fil. Vous voyez, ça rentre juste bien. Et ça, c'est vraiment chouette pour garder les fils. Donc ça, c'est les fils que j'ai utilisés pour la broderie avec la petite maison. Vous voyez, vous avez les fils. C'est génial parce que bah, du coup, c'est pas emmêlé quoi. Ça se tient bien, c'est super. Donc c'est pas compliqué. J'ai acheté des anneaux comme ça. Je vous mettrai le lien pour que si vous êtes intéressé à aller en chercher, vous pourrez vous les fabriquer, c'est pas bien compliqué. Donc j'ai acheté des anneaux comme ça. Même, vous voyez, ils sont assez épais. Et puis, je me suis mis des choses de porte-clés. Alors, soit vous pouvez les acheter tout fait, soit vous pouvez les faire. Moi, je l'ai fait. J'ai acheté le cabochon. J'ai acheté plusieurs cabochons. Je vais vous les montrer, en fait. Et j'ai acheté le fond de porte-clés. Donc, je vous mettrai le lien aussi. Et puis, il suffit de, avec une colle vraiment extra forte, de coller le cabochon sur le petit porte-clés. Mais si vous ne voulez pas les bricoler, il y en a. Sur Etsy, vous pouvez en trouver. Ça se fait. Donc, c'est ce qu'ils appellent des thread keeper, un truc comme ça. Bon, bref, je vous mettrai ce que j'ai trouvé comme lien. Voilà. Mais ce n'est pas bien compliqué à faire, en fait.
Donc ça permet de tenir les fils et de pas les emmêler. Alors ce que j'ai fait sur ces fils-là, vous voyez, je les ai coupés en fait. Ils sont pas tous à la même taille. Parce que j'ai fait la bêtise et ça, je le ferai pas la prochaine fois. C'est quand vous achetez les fils, notamment chez Wix Dye Work, cette marque. Cette marque-là. Le fil vient en bobine. Comme ça, en grande bobine. Et donc, si vous voulez, ça fait un peu comme un tuyau d'arrosage. Il est tout enroulé comme ça. Et du coup, quand vous voulez prendre le fil, vous enlevez le fil du carton et vous êtes obligé de dérouler un peu comme un écheveau. Et prendre. Au début, je faisais ça, je déroulais, je prenais la dimension. Finalement, je me rends compte que de toute façon, quand je prends un fil, j'essaye de prendre toujours la même dimension. Ça ne sert à rien d'avoir un grand fil, parce que de toute façon, vous allez avoir des nœuds. Trop court, c'est pas bon non plus. Donc, j'essaye d'avoir les mêmes dimensions. Et après, je me suis dit, mais je suis bête, je devrais déjà les couper d'avance. Et puis, comme ça, après, j'ai juste à prendre mes fils un par un, quoi. Donc, voilà, je les ai coupés d'avance. Et voilà ce que ça donne. Donc, je les ai coupés, mais vous voyez, comme j'avais déjà utilisé, ils n'étaient pas tous à la même dimension. C'est pas grave, ça ne changera rien à la broderie. Mais c'est pour dire que si on veut être bien organisé, c'est bien possible. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai fait, vraiment, que j'ai eu du plaisir à faire ces derniers temps. Et que je vais continuer cet été. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais boire un petit coup de thé parce que je vais avoir la gorge sèche. J'ai des trucs à vous montrer que j'ai fait et que je prévois continuer de faire cet été. J'ai une... Autant que j'ai une... Un appétit pour le point de croix. Excusez, hein, je vous fais tremblement de terre. Autant j'ai un appétit pour les chaussettes. La motivation chaussette est revenue. Quand j'ai fabriqué mon petit herbier en broderie. De l'herbier, c'est quand même pas mal à la mode hein, cette année. On en voit partout des herbiers à récolter. Tant mieux, parce que comme ça, ça montre qu'on s'est rapproché un peu plus de la nature. Qu'on observe bah, peut-être... Les beautés de la nature nous sont peut-être plus chères maintenant, on y tient peut-être plus. Hein. Quand on est privé de quelque chose, après on a l'impression que c'est des trésors, donc du coup on en profite plus. Et peut-être le fait d'avoir été confiné, enfermé, etc., ça nous a peut-être plus ramené aux choses essentielles, enfin, je l'espère. Hein. Donc j'ai eu dans l'idée de faire une paire de chaussettes aussi avec ce thème d'herbier. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une série de chaussettes. Donc, vous savez que je fais des chaussettes inspirées de Shakespeare et j'aimerais faire des chaussettes, comme dirait ma copine, shakespearienne. Des copines shakespeariennes aussi. Des chaussettes shakespeariennes. Cet été, j'aimerais beaucoup en sortir une paire pour juillet, une paire pour août. Mais je vais sortir aussi, j'aimerais bien faire toute une collection de chaussettes basé sur l'idée des fleurs et de l'herbier. Donc je vous montre la paire de chaussettes que j'ai tricotées, que j'ai eu dans l'idée de faire. Voilà. La paire de chaussettes herbier. Alors vous voyez que forcément quand vous faites du jacquard, surtout en rond, il y a toujours un tout petit décalage. Il faut passer le fil, remonter le fil pour éviter d'avoir ce petit décalage. On essaye, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est normal. Faut pas avoir peur, c'est du fait main. Donc, c'est normal qu'il y ait un tout petit décalage. Donc, on essaye de jouer là-dessus. Mais c'est normal. Hein. Faut pas paniquer, c'est tout à fait normal. Donc, ces chaussettes. Herbier. Numéro 1. Qui sont, vous voyez, un petit peu avec donc des petites pétales. Hop, des petits flocons qui... des petits morceaux de pollen qui volent. Alors ici, vous ne le voyez pas trop en fait. Vous avez une bande ici, de la même couleur que les pétales, mais vous y retrouvez aussi le petit rose. Peut-être c'est moins flagrant. On ne le voit pas trop à l'écran, c'est dommage. Vous voyez les petits points ici. Bon bref, ça fait, vous les retrouvez les petits points qui sont le centre de la fleur. Et vous avez donc la petite fleur ici, avec les quatre pétales. Qu'on retrouve tout autour de la chaussette. Voilà. Tout autour de la chaussette. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Oh, c'est bête, j'ai pas pris le pied en plastique ce coup-ci. Bon.
Voilà, donc hop, vous avez la chaussette, le dessous du pied, et voilà. Bon, c'est, oh, ça y est, c'est l'heure de manger de la laine. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc du jacquard en chaussette, pour ceux et celles qui débutent. Hein. Donc du jacquard, on fait du changement de couleur pour faire un motif. Celui-ci n'est pas compliqué puisque c'est toujours soit une couleur ou deux couleurs sur un même rang. C'est pas trop compliqué. Et comment ça se présente? Je vais vous montrer ça puisque je vais vous offrir le patron. Il va être disponible sur le blog. Ça vous permet de commencer votre collection chaussettes Herbier si ça vous tente. Voilà ce que c'est, ce que ça donne pour les grilles. Donc, quand je vous ai écrit le patron, je vous l'ai mis écrit par écrit. Donc vous allez retrouver rang par rang. Vous faites la pointe. On commence par la pointe. Et ensuite, vous allez avoir l'explication des rangs pour changer les couleurs, etc. Hop, ici. Et vous avez l'explication pour monter jusqu'ici. Vous faites votre talon. Et vous avez en nouveau les explications écrites pour tout finir. Mais vous les avez aussi en grille, c'est-à-dire vous avez explications écrites pour la pointe, la grille pour cette partie-là, ici c'est que du jersey en droit, le talon et la grille pour le reste. Et voilà ce que ça donne, la grille pour le reste. Et c'est de la répétition sur 8 mailles, et vous répétez cette grille, tout simplement. Donc dans le patron, voilà ce que vous allez retrouver. C'est des chaussettes qu'on commence par la pointe, qu'on finit par la tige. Pensez juste à une chose, c'est que quand vous faites du jacquard, donc quand vous mettez des couleurs pour faire des motifs, ça resserre toujours un peu le tricot. Habituellement, je fais la taille S pour mon petit 38 et là, j'ai fait une taille M. Et je vous le dis dans le patron. Je vous dis attention, si vous tricotez encore en plus serré, voilà, donc c'est un petit peu des choses à penser. C'est un patron qui demande de la laine à chaussettes ou de la fingering et qui se tricote avec des aiguilles 2,5. Donc, soit des aiguilles double pointe, vous voyez, ou si vous aimez le Magic Loop, prenez le Magic Loop, mais, ou des aiguilles, des petites aiguilles. Donc, c'est tout à fait possible de tricoter jacquard avec des petites aiguilles en 2,5 mm. Et voilà ce que ça donne. Et alors, j'ai utilisé de la laine. Je vais vous montrer Sockier de Coupnit. C'est celle-ci. C'est de la laine qui est vraiment fine. Vous voyez? Elle est très très fine. Et elle reste fine. Je trouve, comparée à la fingering qui a tendance un petit peu à plus gonfler quand on est au lavage, là, la Coupnit, elle reste vraiment fine. Donc j'ai pris 4 couleurs. Et vous voyez, vous pouvez prendre des restes. Hein, c'est plutôt des sockets, elles ne sont pas très très hautes comme chaussettes. Et j'ai pris des restes, vous voyez. Hop, les couleurs que j'ai associées. Et voici le tout petit reste de rose que j'ai mixé. J'avais envie vraiment de tons plutôt doux, plutôt pastel, plutôt clair. Et je vais vous montrer donc ça. C'est la chaussette Herbier numéro 1 que j'ai faite dans ces tons-là. Et en voici une autre, dans d'autres tons. Voilà ce que ça donne. Et c'est rigolo parce que, du coup, quand on change le ton, c'est vraiment différent. Hein. Voilà, donc celle-ci, c'est pour ma fille. Je crois même que je vais peut-être lui laisser celle-ci. En tous les cas, voilà, on va faire une petite collection Herbier. Et c'est juste bien. Alors ici, ça tourne un petit peu, mais quand on met la chaussette, ça remonte, puisque en fait, c'est le bloqueur qui tire la chaussette. Donc ici, ça remonte et c'est beaucoup plus plat. Mais normalement, c'est bien droit. Donc voilà les chaussettes Herbier numéro 1 que j'ai faites et que vous allez voir apparaître donc le patron sur le blog. Pour vous, si vous voulez les tricoter cet été, le patron il est gratuit, donc profitez-en, puis ça peut peut-être vous aider pour apprendre le jacquard. Vous verrez, c'est tout tout simple à bien changer les laines. Et après, bon, le seul souci, c'est qu'après il faut rentrer les fils. C'est le seul truc un peu casse-pied, mais bon, hein, après tout, quand on aime les chaussettes, ben, on s'amuse.
Bon, on va continuer dans les chaussettes après tout. Donc, j'ai ressorti tous mes bloqueurs. Je vous dis que il y a du boulot. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? C'est que j'ai repris des chaussettes de mon stash. C'est-à-dire des laines que j'avais ou des chaussettes que j'avais commencées et que j'ai fait soit une chaussette et j'ai pas fini l'autre. Donc, voilà. Donc là où j'en suis, là j'ai une chaussette. Donc celle-ci c'est pour Victor, mon fils. Donc voilà, ça c'est, je les ai montées bien hautes hein, puisque ce sera pour cet hiver, c'est la laine assez chaude. Donc ça c'est, hop, une chaussette de terminée. J'aime beaucoup beaucoup le mix de couleurs, vraiment beaucoup. Donc ça c'est de la King Cole, la laine King Cole zigzag. Voilà, elle est vraiment chouette. Et elles sont très très hautes. Et j'ai repris une laine que j'avais commencé à tricoter. Donc j'ai fait une chaussette. Ça, c'est de la... Alors le nom, très très imprononçable. Bon, je vais vous le chercher. Parce que là, vraiment, c'est plus possible. Attendez. Hop là, c'est dans mon panier de l'été en fait. C'est un nom vraiment très compliqué. Et je vais vous montrer. C'est de la Zauerball Crazy de Schoppel. Je sais pas, je parle pas allemand. Donc c'est un peu compliqué à prononcer, mais c'est celle-ci. Donc c'est la Crazy. Hein, parce qu'il y en a, il y a d'autres sortes. Et c'est le coloris Malerwinkel qui normalement vous donne ça. Et le coloris ici. Ça change. Il y a une couleur pareille, pas une. C'est une pelote vraiment épatante. Vous l'achetez comme ça, elle arrive en rond, comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas une couleur pareille, quoi. C'est juste génial. Donc vous avez votre chaussette, on dirait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel sur les pieds, pour marcher après la pluie. Enfin, bon, voilà, j'ai commencé la deuxième chaussette. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout une couleur pareille. Pas du tout. C'est un mix. Regardez les fils. C'est un mix de deux couleurs à chaque fois. C'est trop, trop bien. Et alors, on serait tenté d'aller voir au fond. Tenté d'écarter la laine pour aller voir au fond les autres couleurs. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça. Un jour, j'ai acheté... c'était une balle de l'avant, en fait. C'est-à-dire que c'était en Grande-Bretagne, je ne sais plus où c'est que j'ai acheté ça. C'était une grosse balle de laine, en fait, c'était que des mini. Enroulées, et toutes jointes les unes aux autres. Et quand vous avez fini de tricoter, vous avez une grosse balle en plastique. Et au milieu, il y avait une surprise. Bon, la surprise n'était pas terrible, je vous le dis, c'était une bougie. Et moi et les bougies, ça fait 10. Parce que, en fait, je suis tellement maladroite que j'ai déjà failli mettre le feu deux fois. Donc... Non, les bougies, c'est pas du tout pour moi. Et du coup, j'étais un peu déçue. Il y avait un sachet de thé qui sentait la bougie. Ça, c'était un peu dommage. Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne de mettre la surprise au milieu de la laine. Sauf que ma mère me disait, « Oh, vas-y, t'as qu'à faire une autre balle pour voir tout de suite la surprise. » Je lui ai dit, « Non, 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 on attendra. » Donc voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Alors, j'ai repris donc ce tricot que j'avais laissé de côté. En fait, c'était mon tricot voiture. Quand j'amenais les enfants en voiture à l'école... et que je les attendais, moi je tricotais un petit bout de ma chaussette. Sauf que il y a eu du changement, donc je les amenais plus. Puis après, j'habite à 5 minutes, donc j'ai pas le temps de tricoter ma chaussette dans la voiture. Voilà, donc ça, c'est les chaussettes Crazy Zauerball, si je prononce bien. Zauerball. Donc c'est un petit peu secret, le truc surprise, quoi. Mais je les aime beaucoup. Franchement, je trouve génial. Alors, je vous mettrai le lien pour trouver cette laine si vous la cherchez. Ou moi, je l'ai acheté sur un site anglais qui livre en France, qui livre partout dans le monde, qui livre au Canada, n'importe où. Et qui est juste, qui a beaucoup, beaucoup de chaussettes à laine, comme ça, c'est génial. Donc ça, c'est... Hop. Et vous voyez, ça va aller dans mon panier de l'été, parce qu'il faut que je vous parle de mon panier de l'été. Donc ça, c'est les chaussettes que j'ai faites. Regarde, j'en ai pas d'autres. J'ai fait... Hop. Chaussettes. Chaussettes,
chaussettes. Je vais vous les tenir. Touk, touk, touk. Et chaussettes. C'est beau, hein? Regardez comme ça, là. Moi, j'aime bien, moi. J'aurais les... J'ai dit à mon mari, on va refaire des bloqueurs, parce que c'est mon mari et moi qui faisons les bloqueurs comme ça. Et j'ai dit, on va refaire des bloqueurs cet été pour que je puisse accrocher toutes mes chaussettes. Il m'a dit, t'es une vraie folle. Bon, bref, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop beau. J'aime beaucoup quand c'est... Et puis, ça tient bien à la forme. C'est ça que j'aime, regarder. Hop. Après, ma chaussette, elle est juste bien, quoi. C'est très, très chouette. Bon. Alors, voilà. Ça, c'est les projets que j'ai avancés, qui sont en cours, qui sont presque terminés et qui sont juste plaisants à faire. Ensuite, toujours dans mon sac d'épicerie. Dans mon sac d'épicerie, des choses que j'ai faites, qui sont en cours. J'ai mangé... Oh là là. Eh bien, tous les petits trucs... Oh, bah, je vais vous montrer ça. Hop là. Tous les petits trucs que j'ai fait, les petits anneaux. Alors, vous voyez, hop. J'en ai fait plusieurs parce que, comme toujours, j'ai plusieurs projets. Oh, j'adore les cabochons, c'est trop beau. Ça ferait des grosses boucles d'oreilles. Les cabochons fleuris, là, on dirait un petit peu le... du tissu de designer. Voilà. Je vous ferai de toute façon après la vidéo, je vous ferai un petit focus sur tout ça. Donc vous inquiétez pas, vous les verrez bien mieux. Donc voilà, j'ai fait ça. Quand même, ça prend un petit peu de temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai préparé la broderie. Hop, vous voyez les fils. Ça marche très bien avec les fils, vous voyez les bobines DMC aussi. Hein. Je ne vois pas mon petit cabochon. Vous voyez, ça, c'est le principe. Donc, j'ai préparé la broderie à faire. J'ai récupéré vraiment tous mes fils. Donc, ça, c'est le truc que je voudrais commencer cet été. Voilà, donc je vous ai présenté ça la dernière fois. Mais je voulais vous montrer l'anneau avec les fils. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et alors, j'ai fait un truc. Trop mignon, trop mignon. Je vous sors ça tout de suite. J'ai fait un petit amigurumi pour ce mois-ci. J'ai fait le petit cochon de Little Owlet. J'ai jamais pu répondre à la personne qui m'avait demandé où je les avais eus. Alors, regardez, c'est ici la boutique. Little Owlet. De toute façon, je vous mets le lien en bas de la vidéo. Et j'ai fait cette petite merveille, sauf que j'ai pas mis les boutons et je vous la montre. Elle est trop mignonne. Oh, regardez. J'adore, c'est trop rigolo. Oh, elle est trop marrante. Elle est toute mimi, toute délicate, toute petite. Je la fais en crochet 2,5. Donc, avec du fil de drops. Et vraiment, je la trouve trop, trop chou. Elle a un petit côté vraiment tendre. Avec son petit bandeau, sa petite fleur, son petit nez. Est très surprenante à construire, à réaliser, parce que en fait vous commencez par le petit nez, etc. Et moi je pensais que c'était rajouté et cousu, pas du tout, c'est fait d'une pièce et je trouve que c'est juste brillant, c'est magnifique. Et alors regardez ces petites pattes. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai les poules qui râlent. En fait elles veulent sortir, elles ont un grand poulailler. Elles ont un grand espace où elles sont entourées. Donc, elles ont leur petite cabane pour dormir et faire leur petit coco. Elles ont leur coin pour manger et elles ont un grand espace qui est couvert pour être protégé de la pluie et qui est tout grillagé pour être protégé des prédateurs. Elles peuvent marcher, courir et tout. Mais non, elles veulent aller dans le jardin, enfin, dans l'herbe. Enfin, c'est normal, hein, remarquez. Elles veulent s'évader parce qu'on les lâche souvent, donc c'est des poules de plein air. Et quand je ne les sors pas, elles râlent. Elles appellent. Papa, 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 papa. Bon, bref, je ne sais pas si vous les entendez, mais moi, ça m'appelle. Bon. Alors, regardez les petites pattes de cette petite beauté. C'est trop mignon. Et alors, la petite queue en tire-bouchon. C'est trop bien pensé.
J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Oh, c'est trop mignon. Enfin, je l'aime beaucoup. Oh, vraiment. Oh, je vais vous chercher les autres. Je vais vous Je montrer ce montre que la c'est banane. l'équipe. Ça, c'est mes premiers que j'avais fait. Vous voyez, la taille est quand même assez grosse. Alors, vous avez, hop, le petit mouton, le petit chat, le petit renard et le petit cochon. Oh, la belle équipe. Ils sont tous trop choux. Sauf que voilà, ceux-là, j'aimerais bien peut-être les refaire en plus petit, parce que là, en fait, j'avais pris un crochet 3,5. Voyez la différence? Ça fait une sacrée différence. C'est le même fil. C'est le même. La même gamme, le même fil. C'est du drops alpaca. Mais voilà, ça donne pas du tout la même taille quand on prend pas le même crochet. Et finalement, je les aime bien en tout serré, là, tout petit. C'est trop mignon. Voilà, ils sont très très chouettes. Très très beaux. Je crois qu'il m'en reste encore à faire. Je me fais toute la famille en fait. Il est un peu bancal mon mouton. Hein. Mais oh, comme c'est trop mignon. Donc ceux-là, c'est à moi. Hein. J'ai dit à mes enfants, je vous les piquez pas ceux-là. Voilà. Ils sont très très beaux. Oh, ça fait un beau petit couple comme ça. Bon bref, voilà, ça c'est les petits amis, le petit amigurumi que j'ai fait. Il n'y a pas de difficulté. Elle vous explique bien. Vous avez même des vidéos, tutos. Si vous êtes visuel, même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est très facile, enfin, c'est visuel, oui, parce que le patron est en anglais, j'ai trouvé sur Etsy, elle en a plusieurs qui sont très mignons, mais franchement, une fois que vous en avez fait un, les autres sont très faciles à réaliser, et elle vous met des vidéos tuto, donc si vous avez des difficultés, vous pouvez tout à fait vous aider. Voilà, donc ça c'est mon petit cochon que je trouve. Oh. Je trouve vraiment bien réussi. Et toujours avec une laine alpaca. Voilà ce que j'ai fait. Ça a été pas mal quand même. Celle-ci, je l'ai faite. Ça va tellement vite à faire. Vraiment, ça va vite à faire. Que je l'avais faite en début de mois de fin mai ou début juin, juste après le podcast. Donc, j'aime bien me faire mon petit amigurumi. Comme ça, il est fait. Donc, du coup, voilà, je les ai de côté. Ensuite, j'ai continué. Ben, on va continuer dans le crochet, tiens. J'ai continué mon petit pull, mon petit gilet, qui est celui-ci, A Good Vintage. Donc, qui est au crochet, qui est un modèle payant. Et j'en suis arrivée, en fait, au moment où on va séparer les manches. Donc, je vous montre. J'ai pris les couleurs vraiment comme elles sont préconisées. Donc là, j'en suis, vous voyez, ici, là, et on va commencer la séparation pour le dessous des manches, parce que c'est quand même un gilet qui se porte assez, assez court. Il n'est pas crop non plus, hein. Mais voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur moi. Ça vous dit? Donc normalement, si on fait la séparation des manches ici, vous voyez qu'il arrive là. Parce que c'est en fait, c'est toute la bande qu'on met. Voilà. Puis après, il y aura la boutonnière. Alors, là normalement il y a la séparation en dessous du bras. C'est quand même assez large. Et voilà ce que ça donne en termes de taille. Oh, il est beau, hein? Oh, il est plutôt pas mal. Je suis contente, il est réussi. Oh, il est vraiment chouette. Il est très très chouette même. Ça rend très bien. J'ai hâte de le finir lui. Hein. Voilà. Ça se fait bien, franchement, les explications sont très très bien, c'est très clair. C'est en anglais, encore une fois. Je suis désolée, il n'existe pas de modèle en français. Donc là, c'est pour le coup, c'est dommage. Mais il existe un modèle qui est, je crois, qui est gratuit. Alors, à l'époque, il était gratuit. Dans le même style, je vais vous mettre le lien. J'aimerais beaucoup l'essayer aussi, puisque c'est un modèle qui ressemble beaucoup à celui-ci, qui est en granit aussi, hein, comme ça, avec le style granit qui est sur Lovecraft. Je vous mettrai le lien, je vous signalerai en dessous dans la barre de description. Allez lire, je vous mets toujours les liens. C'est un gilet qui se fait en granit aussi. Il me semble que c'est un gilet. Parce qu'elle fait des pulls aussi. Cette designer, c'est une anglaise aussi. Alors, bien sûr, c'est en anglais, je ne sais pas s'ils sont traduits. Mais en tous les cas, enfin, franchement, c'est super facile à faire. Hein. C'est du granit. Hein. Donc, voilà. Et la construction, elle est très facile. C'est que vous voyez, vous le tricotez d'un bord à un bord,
Après, vous faites la séparation au niveau des manches, vous continuez un bout, vous reprenez un autre bout et après vous joignez et vous faites les manches en rond, tout simplement. Donc là, j'en suis à la séparation en dessous des manches, j'en fais un petit rang de temps en temps. C'est en laine. Moi, j'ai pris la laine qu'elle préconise dans son patron. C'est dans une laine mérino blend. Je vais vous montrer un petit peu. Je crois que j'ai mis une couleur, voilà. Ça, c'est une couleur que j'ai pas mis dedans, mais c'est pour vous montrer la pelote. Pour vous montrer la pelote, comment elle est. Donc, moi, j'ai, vous voyez, toutes les couleurs que j'ai mis dedans. Et en fait, c'est une répétition. Donc, vous faites un coup la couleur de base, une couleur. Couleur de base, une couleur. Couleur de base, une couleur, etc., etc. Et ça vous donne ces petites rayures et ça se fait très, très bien. C'est de la Merino Blend, comme ceci, de la marque King Cole. C'est la même marque que les chaussettes que je tricote, celle-ci. C'est une très bonne laine. Franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, celle-ci, c'est de la King Cole. C'est la même marque. Et vous avez plusieurs coloris. C'est 50 grammes la pelote. Et c'est... Alors, attendez, je vais vous dire... Pas vous dire de bêtises. C'est de la 100% Superwash Wool. Normalement, ça se lave bien. Et il y a 180 mètres par pelote de 50 grammes. Ça se fait au crochet numéro 3,5. C'est fin. Pas trop grossier. Et vous voyez, ça c'est une couleur que j'avais prise. J'étais pas trop sûre dans les verres, en fait. Puisque normalement, il y a deux verres qui sont mis. Et un petit bleu, un petit bleu vert. Là, c'est dommage parce que ça sature super fort. Vous le voyez bleu, mais il est un petit peu moins bleu. Voilà, ça, c'est ce qu'il préconise dans le patron. Et j'avais hésité avec ce vert. Sauf que je le trouvais un peu trop flashy. Et j'avais peur que ça ressorte trop par rapport aux autres, finalement. Il est très, très bien. Il aurait pu très bien aller. Mais bon, je le garde pour une prochaine fois si jamais je refais ce gilet parce qu'il est vraiment un régal à faire. Donc, la Merino Blend qui est assez chaude, douce. J'aime bien. Je trouve que ça se tricote bien. Puis alors, quand je prends mon petit sac de coquelicot, ça donne envie. Envie de le faire. D'ailleurs, les coquelicots cette année, vous voyez, les coquelicots cette année, ça a filé à une vitesse incroyable. Ça fleurit, fané, fleurit, fané, fleurit, fané. Il a fallu se dépêcher de prendre des photos parce que on n'a pas beaucoup profité. En plus, c'est une année à bibite, mais c'est fou, quoi. C'est des insectes partout. C'est affreux. Il y a des fourmis. On a des fourmis partout. Ça a mis des pucerons, parce que les fourmis, ça aime bien cultiver les petits pucerons. Ça a mis des pucerons sur tout, sauf les rosiers. Ouh, on est sauvés pour les rosiers. Mais alors, je peux vous dire que le reste, ça a été une catastrophe. J'ai tout essayé. Savon noir, terre de diatomée, tout. Il n'y a rien qui fait. Bref, ça a été un petit peu la galère pour les plantes et les coquelicots, ils en ont beaucoup souffert. Mais je vais quand même réussir à avoir des graines, parce qu'il y a quand même eu des belles fleurs hein, cette année. Si vous me suivez sur Instagram, il y a quand même eu des beaux spécimens. Et je récupérerai des graines, donc tout n'est pas perdu. Voilà, ça c'était la minute jardinerie. Ah voilà, ce beau gilet au crochet que j'aime, que j'ai hâte de terminer, donc. Il s'en va dans le panier de l'été aussi, lui, pour pouvoir le terminer. En crochet toujours, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le sac est là. Je suis entourée de tous les sacs. Je vous dis, j'ai fait ma marchande. Dans mon sac, toujours, c'est une couverture en granit, mais qui s'achève, qui devrait être bientôt terminée parce qu'il faut que je vous parle d'un nouveau projet. Donc, c'est des restes de laine que j'utilise pour faire un carré en granit, pour faire une petite couverture pour le jardin. Le principe, c'est d'avoir plusieurs petites couvertures comme ça pour couvrir les jambes, pour que quand on arrive à la fin de l'été ou au début du printemps, on mette ça sur nos petites jambes quand on prend le thé dans le jardin. Ou alors, ce que j'aime bien faire aussi, parce que bon, le salon de jardin, il est en métal, donc c'est un petit peu froid pour notre petit derrière. Je la plie comme ça et je la mets sur la chaise et c'est super doux, super chaud. Ça réchauffe les petites fesses. Quand on prend le thé dans le jardin, surtout au début du printemps, la fin de l'hiver, là c'est un peu frais encore. Donc. Alors, je vous montre la couverture. Vous voyez un petit peu la taille. Vous voyez que je me recule. Vous verrez mieux.
plutôt pas mal. Avec des restes de laine, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Hop. Ici, c'est juste, c'est une bonne taille quand même. Donc encore 4-5 tours et je pense qu'on est bon. Hein. 4-5 tours et on est bon. C'est quand même plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis une laine un peu plus foncée. Et je vais continuer le vert ici et je vais faire ma bordure en foncé pour que ça ressorte vraiment bien. Et cela dit, je l'aime déjà pas mal comme ça. Mais je vais faire une bordure, je sais pas, j'hésite, peut-être une bordure en picot, je sais pas encore, je vais regarder. Enfin bref, il me reste de toute façon assez de laine acrylique en reste que je pense que je suis capable de, voilà, je suis capable de passer encore pas mal de laine. Elle pourrait même être plus grande, mais je veux vraiment faire la collection plusieurs, enfin une pile de couvertures quand même de la même dimension, des petits carrés comme ça, on va dans le jardin, oups, chacun piche sa petite couverture, et c'est parfait. Donc ça, c'est un truc qui va être terminé bientôt, et un autre truc qui va être terminé bientôt, dans ce super sac, je me suis mis des étiquettes et des petites fleurs. Dans ce super sac, j'ai terminé la manche de mon Whitmore. Il me reste plus qu'une manche à faire. J'ai terminé une manche. Alors j'ai choisi la manche Bishop. Ce qui est la manche Bishop, c'est la manche un peu bouffante. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez? Hop, et ça retombe comme ça. C'est très bouffant. La manche est large, mais c'est pas plus mal finalement. J'aime beaucoup le style. Et vraiment, vraiment, ce pull, il va être... Oh, il est magnifique. Il est juste magnifique. J'ai hâte de le terminer. Regardez. Porté, il va être super chouette. Voilà. C'est surprenant parce qu'ici, il paraît court. Mais étant donné que... Bon, là, il n'est pas bloqué. Mais étant donné qu'il y a la dentelle, il s'écarte un petit peu. Et du coup, c'est vraiment le style... Finalement, il n'est pas si court que ça. Ça paraît, mais ça ne l'est pas. Mais il est super joli. Donc, il me reste la manche à faire. Ça aussi, c'est l'objectif de l'été. Je vous dirais que comme il a fait très, très chaud, avec le mohair dedans, franchement, c'est pas que j'avais pas envie de le tricoter parce qu'il faisait chaud, mais j'avais les mains qui collaient. Je tricoter là, la laine trop chaude, c'était juste pas possible, ça collait sur la laine et la laine était comme pas humide, mais ça n'accroche, ça glissait pas tout seul. Donc ça, c'était un peu dommage. Et voilà, ça c'est ce que j'ai terminé au moins une manche du Whitmore et j'aimerais beaucoup le terminer pour la fin de l'été, pour que je puisse l'avoir à la rentrée quand même, ce serait chouette. Et voilà, on a fini notre épicerie de choses d'encours. Bon. Non, il y a encore, il y a toujours des encours, donc je vous montrerai, j'ai fait d'autres choses. Si on parle maintenant des choses d'épicerie que j'ai magasinées. Alors, le sac d'épicerie magasiné, j'ai fait quelques achats. Je ne vous montre pas toujours ce que j'achète, le but c'est pas de faire le grand déballage. Mais là, je trouvais que c'était pas mal de vous montrer ça, puisque en fait, je me prépare mon petit été. Donc, je vais commencer par des choses que je prends au fur et à mesure. Vous voyez, il est quand même assez lourd et plutôt bien rempli. Des petites choses que j'ai découvertes et achetées, etc. Juste un petit truc, c'est que la dernière fois dans mon podcast, je vous avais parlé d'un patchwork que je veux faire. Là, vous savez, avec des maisons tout autour qui s'appelle le Somerville. Et je vous avais montré tout un tas de tissus que j'avais achetés. J'avais acheté des tissus chez Ink Art et j'avais acheté des tissus chez Tilda. Et en fait, en regardant bien tout ça, je me suis dit, oh ben c'est pas mal, j'ai voulu faire mes mix de couleurs. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui ne marche pas, c'est le mix de tissus. C'est-à-dire que les tissus Tilda, en coton, comme les Ink Art, mais c'est pas tout à fait la même qualité. Et du coup, quand on les coud ensemble, ben ça se voit, ça accroche pas pareil, c'est... Ça me gênait vraiment. Si je fais un patchwork, une couverture en quilt qui coûte un bras, puisque entre nous, les tissus Tilda sont quand même assez dispendieux, que là-dessus, il y a le boulot qu'il y a à faire,
qui est juste du plaisir. Qu'il y a le batting à mettre, donc l'espèce de coton à l'intérieur à glisser, enfin à mettre dedans entre les deux couches de fond et le quilt qu'on fait, et qu'il faut acheter aussi le tissu de fond. Ben, je trouve dommage de faire quelque chose et puis de trouver que les tissus ne vont pas ensemble, ou enfin la qualité de tissu ne tiendra pas parce que c'est pas les mêmes compagnies, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc du coup, j'ai profité d'une réduction qu'il y avait sur les tissus, sur un site, pas sur les tissus puisqu'il n'y en avait pas, mais sur le site où je les ai trouvés, donc Lovecraft. Et du coup, je suis allée rechercher des tissus Tilda, des lots, pour être sûre d'avoir le bon mix de tissus, la même qualité de coton. J'ai pris tout d'abord la collection, celle-ci qui est Scrap Bundle. Ce sont des petits morceaux, c'est des beaux morceaux puisque ça c'est des fat quarter. Donc c'est des grands, comme ceux que j'avais achetés au début. Et vous avez ici le Garden Life. Oh, juste les labels sont beaux. Déjà les labels, vous les gardez, vous les encadrez puisqu'ils sont trop beaux. ça vous fait ça. Alors, pour ce qui est du Scrap Bundle, regardez les tissus qui sont très beaux. De toute façon, Tilda n'a pas sa réputation à faire puisque c'est tout magnifique. C'est juste beau. Oh là 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 là. Pour les toits des maisons, pour les... Oh, le tour, ça va être super. Voilà, ça c'est le Scrap Bundle. Et vous voyez que si je vous ouvre un tissu pour vous donner une idée. Ça, c'est un fat. Voilà, c'est un fat quarter. Vous voyez, ça fait un beau carré. Hop. Et je vous montre le Garden Life, qui est une nouvelle collection, qui est tout sur le jardin. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous ouvre ça. Je vais vous en montrer un petit peu. Regardez. Ça vous donne des idées, ça vous donne l'inspiration. Là, ça, c'est les verts. Vous avez les roses. En fait, c'est les mêmes tissus, mais répétés dans les différentes couleurs. Vous avez les bleus. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau avec le orange. Et finalement, je m'y retrouve, puisque je me retrouve avec des tons qui sont similaires avec les autres. Donc, cet été, je prévois commencer ce quilt. Je ne le finirai pas, c'est sûr, puisque c'est long. Mais voilà, les violets. Mais en tous les cas, je vais commencer puisque j'ai quand même réuni tous les tissus. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est un Fat 8. Et je vais vous montrer la taille pour comparaison. Voilà le Fat 8. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Et normalement, c'est des Fat 8 qui suffisent. Donc, vous voyez, je vais me retrouver avec pas mal de restes. Ce qui va me permettre de faire pas mal de petites choses avec ces restes. Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est des... Oh, j'avais pas vu. Oh, je les ai même pas dépliés en plus. Oh, j'avais pas vu la digitale, l'oiseau. Je les ai pas dépliés parce que je voulais pas les abîmer. Bon, ils sont super, super. Oh, je vais vous faire une vidéo là-dessus, là, cet été. Enfin, je vais vous parler, je vais vous expliquer mes projets. Oh, c'est trop, trop bien. Bon, bref, je suis la fille qui est très contente d'avoir trouvé ces petits bouts de tissu. Oh, les tissus, on ne s'en lasse pas. Moi, je ne m'en lasse jamais. Donc, voilà, ça, c'est quand même l'achat que j'ai fait. C'est un gros achat hein, parce que je peux vous dire que les tissus Tilda sont quand même parmi les tissus les plus dispendieux. Mais je vous assure, la qualité, enfin, le coton est épais. Il n'est pas élastique, il se tient bien, les teintes sont magnifiques. Donc franchement, c'est peut-être un investissement. Je ne ferai pas des couvertures en patchwork tous les 4 matins. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça fait super plaisir de travailler avec des trucs de qualité. Donc ça, c'est quand même mon beau cadeau que je me suis fait. La première fois que je me fais ça. Hein, d'habitude, j'achète des tissus un peu moins exagérés. Mais là, je me suis gâtée. Bon, qu'est-ce que j'ai aussi? Oh, j'ai plein de petites choses. J'ai suivi sur Instagram, je suis des teinturières de laine. Bon,
avoir des compagnies de teinture de lait. Et je vous assure que là, je sais pas, je dois être un petit criquet chanceux, comme dirait ma fille, parce que j'ai réussi à avoir des échevaux en vente, et je peux vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, que ça file très vite, et que si vous n'êtes pas la main sur le piton avec le carte de crédit, ben vous manquez la vente et vous manquez les beaux trucs. Et à chaque fois, je les manquais, j'étais trop tard, bon, ouais, je ne voyais pas passer. Et là, pouf, je suis tombée dessus, et je peux vous dire que, en plus, avec le décalage horaire, vu que c'était une vente en Angleterre, je peux vous dire que j'ai pris mes 2 heures, j'ai fait mon repassage, j'avais l'ordinateur à côté, et pendant 2 heures à l'avance, je guettais à l'avance, je faisais rafraîchissement, rafraîchissement, rafraîchissement. Enfin, rafraîchissement, c'est quand on fait un refresh de l'écran, quand on met à jour l'écran. Donc, rafraîchissement. Bref, je l'ai eu. J'ai commandé. C'est de la laine. C'est rare que je me paye la belle laine comme ça, mais je peux vous dire que là, j'ai craqué. C'est de la Hedgehog Yarn. C'est une très bonne marque. Je peux vous dire que là, en plus, elle a marqué qu'elle prenait une petite pause. Donc, elle n'était pas prête de refaire des ventes et tout pour l'instant. Donc, oh, je ne voulais pas manquer ça. Donc, je trouve déjà juste formidable. Elle vous envoie ça dans un pochon. Vous avez le colis, mais ça... Oh, alors déjà, rien que d'avoir un pochon. C'est un petit pochon que je pourrais peut-être broder. Je suis trop contente. C'est juste super. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté une quantité de laine pour chaussettes. Celle-ci. Donc, c'est la marque. Hedgehog Yarn. Hedgehog. Pourquoi je vous ai dit Hedgehog? Parce que c'est le hérisson normalement. Mais là, c'est la Hedgehog Yarn. Juste regardez le petit label qui est juste magnifique, avec le petit hérisson. Franchement, sa laine est de qualité. Et regardez les couleurs. Donc, j'ai acheté un kit chaussettes. Et franchement, au niveau des prix, elle est vraiment très, très abordable, je trouve, pour la qualité que vous avez. Sa laine, elle est douce, douce, douce. J'avais envie de ces couleurs. Voilà, donc regardez. J'ai acheté cette couleur qui est superbe. Allez. Je vais les tricoter cet été, donc je vais vous montrer. Je vais vous les sortir. C'est de la Oak. C'est de l'extra fine mérino et du nylon. 400 mètres dans la grande et 20 grammes pour 80 mètres de la petite. Donc la petite, vous voyez, ça ressort moins fort. Hein. C'est plus doux. C'est corail, mais un joli corail. Vraiment. Et alors, regardez la laine pour la chaussette. Avec les spéculoos, les couleurs, etc. C'est super. Ah, oh, ça va être trop chouette à tricoter. Voilà. Donc ça va aller dans mes chaussettes shakespeariennes. C'est l'écheveau, vraiment l'écheveau cadeau que je me suis fait. Et il est trop, trop magnifique. Oh, avec la petite laine à côté. Donc ça va être chouette. Ensuite, j'ai pris une laine, encore une fois, une laine à chaussettes. Soyons fous. Toujours donc de la Hedgehog Yarn. Mais cette fois-ci, vous voyez, c'est naturel et je l'ai prise en tweed. Oh, j'adore le tweed. Je trouve... J'ai deux pelotes de tweed que j'avais eues aux États-Unis pour me faire un bonnet. Et ça fait des lustres que je veux me les tricoter et que je prends pas le temps de le faire. Et là, je me suis dit, oh, un petit ensemble bonnet chaussettes, ça pourrait être vraiment sympa. Et il y a du brun, il y a du noir, c'est super bon. Alors, c'est de la Natural Tweedy Socks avec du mérino, du Donegal, et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Elle est très très belle. Voilà, ça c'est du tweed. Ça c'est hop. Et je me suis pris une quantité pour faire un châle. Il y avait longtemps que je m'étais... Oh, elle avait mis un petit sachet de lavande. Un petit sachet de lavande. J'avais pas vu ça au fond du sac. Et là, vous avez le petit mot. Merci pour la commande. Avec un petit mot écrit. Oh, je trouve que vraiment, j'étais contente. J'étais vraiment contente. Mon mari m'a dit, t'es contente de ton âge? J'ai dit, oui, je suis contente. Bon, bref. J'ai pris une quantité châle.
de cette superbe laine. J'ai un manteau pour l'hiver qui est brun. Donc, je pense que ça pourrait bien rehausser la couleur avec un beau petit châle pour l'hiver. Et c'est de la mérino, tout simplement. 450 mètres pour 100 grammes. Oh, elle est superbe aussi. Avec, oh, les couleurs. Et je pense qu'elle va bien aller avec tous les bonnets que j'ai faits. Le bleu, le vert, le rouille, le rouge. Voilà, c'est de la laine qui se marie vraiment. Oh, j'ai hâte de la tricoter, vraiment, j'ai hâte. Je ne sais pas encore si je vais faire un châle en tricot ou un châle en crochet. Mais vraiment, 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 j'ai très hâte de tricoter cette belle laine de chez Edgerow Yarn. C'est une très belle marque. Et c'est arrivé très vite et c'est très, très raisonnable. Donc ça, c'est mon autre petit achat d'épicerie. On continue. Ah bah, puisqu'on est dans la laine, je vais vous montrer. J'ai acheté chez Hobby. Ah ben, bah, attendez. Je vais sortir le gros paquet. De toute façon, comme on sera chez Hobby, autant y aller. Hein, je vais vous montrer d'abord la laine, puisqu'on est dans les chaussettes. Je vais vous montrer la laine de chez Hobby que j'ai achetée pour faire des chaussettes pour mes enfants. Ces deux pelotes qui sont super grosses. Je crois que c'est du... Alors, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Et c'est 100 grammes. 100 grammes de laine. Il y a 420 mètres dans chaque pelote. Voilà, elles sont belles, hein. Les couleurs sont super jolies. Donc, avec ça, on peut faire facile deux paires dans une pelote. Alors, c'est le coloris... Ah, il n'y a pas de nom de coloris. Coloris 8 et coloris 1. Coloris 1, coloris 8. Et c'est de là, Atlas. Je crois que j'ai eu ça, il devait y avoir un prix dessus. Donc, la laine à chaussettes, toute simple, de chez Hobby. Voilà, Hobby, ça vaut... Ouais, Hobby, c'est là. Ça vaut vraiment la peine. Franchement, oh, j'aime beaucoup leur laine. Et... Oh, elle est toute squishy. Elle est trop chouette. Bon, bref, ça, c'est de la laine que j'ai achetée. Et en même temps, comme je suis chez Hobby, je vais vous parler de ce sac qui est déjà tout fait. Vous voyez les couleurs? Je ne l'ai pas sorti parce que je ne veux pas les perdre, je ne veux pas les mélanger. Mais vous voyez le ton? Bon, j'ai dans l'idée de faire une couverture en granit, comme celle-ci, mais en coton, en 3,5, avec ces couleurs. Et en partant de la couleur la plus claire, et en allant jusqu'à la couleur la plus foncée. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert, parce que je veux pouvoir prendre la première pelote, faire le carré, continuer avec celle-ci, et avoir un carré grand-mère géant en coton, tout en dégradé de couleur, comme ça. Ça devrait être chouette. Donc ça, c'est mon projet de l'été, projet couverture de l'été en coton, puisque je trouve quand même que le coton, c'est chouette. Même si c'est un peu lourd au niveau couverture, pour l'été, c'est quand même très agréable. Et c'est beau, c'est juste beau, en fait. Voilà, donc ça, c'est les couleurs que j'ai choisi, voyez un petit peu, hop, du blanc. Donc, c'est un kit. C'est du coton 8-4 qui s'appelle Wonder Bag 305. 100% coton, il y a 10 pelotes dedans. Je vous montre le label, si vous le voyez ici, le Wonder Bag. Ils ont plusieurs sacs comme ça, plusieurs sacs de coton déjà préparé, mixé. On peut avoir des mix un peu de tout, mais vous pouvez avoir des mix comme ça qui s'agencent très bien. Et ces couleurs, moi, je trouve qu'elles s'agencent très bien. Quand vous voyez la transition, ah bon, voilà, j'ai eu cette idée-là en voyant ce truc. Je me suis dit, oh, ça pourrait être très, très, très sympa d'avoir cette couverture-là, ce carré, mais en coton qui se suit. Donc ça, c'est mes projets aussi de l'été. En continuant, on rebascule dans la laine à chaussettes. J'ai sorti une laine à chaussettes que j'ai achetée de chez Malabrigo en laine à chaussettes. Vous voyez, un petit peu... Alors, j'ai pas le label là sous les yeux. J'ai pas le label en fait.
Mais voyez un petit peu le mix de couleurs, un peu rouille, arc-en-ciel, enfin arc-en-ciel assez foncé, puisque c'est du violet, du jaune, du bleu. Enfin, il paraît plus foncé à l'écran, mais voilà. Ça, c'est un truc que j'ai ressorti. Et j'avais, au mois de mai, je m'étais pris un abonnement. En fait, c'est un abonnement. C'est un abonnement, mais c'est pas vraiment un abonnement. C'est plutôt, moi, je dirais, un petit club. J'ai pris le club. J'ai voulu essayer la laine de Mr. and Mrs. Rabbit. Mr. and Mrs. Rabbit, c'est eux. Ce petit kit. Enfin, ce petit label. Donc, j'ai voulu essayer, puisque, en fait, ils ont les laines que vous pouvez acheter directement, mais aussi, ils ont des clubs, des mystery clubs, des clubs mystères, des clubs chaussettes, des clubs ceci, des clubs cela. Et j'ai voulu essayer, là, ça me parlait, le club Cottage du printemps. Et donc, vous recevez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Comptez à peu près, enfin, c'est aux environs de frais d'envoi compris, 30 euros, à peu près. Si vous voulez, je pense que c'est ça. Et finalement, j'ai reçu, donc en fait, ce Club Cottage, il se reproduit. Donc, vous achetez le mois. Moi, j'avais pris le mois de mai et je l'ai reçu fin mai. En fait, vous achetez ce club, vous savez, c'est pas un abonnement pour l'année, pour 6 mois, etc. C'est au mois le mois. Donc, vous prenez le mois, si vous aimez, vous continuez, vous prenez le mois d'après. Si vous aimez pas, vous ne reprenez pas, voilà. Moi, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait, parce que déjà, leur laine m'intrigue beaucoup et je sais que c'est de la bonne qualité. Et vraiment, le côté mystère et cottage, ça me plaisait. Et j'ai reçu une petite lettre avec la laine présentée, que je vais vous montrer, et des conseils, et de l'histoire, des petits conseils pour les fleurs, et le côté historique aussi. Donc, on vous parle des fleurs, des couleurs qui ont été choisies, etc. Et vous avez le petit mot signé par Mrs. Rabbit. Bon. Voilà la laine qui était dans le club. C'est génial parce que c'est pas quelque chose que j'aurais déjà choisi moi. Donc a priori, j'aurais pas forcément choisi cette laine. Mais de la recevoir comme ça en paquet secret, bah finalement j'en suis super contente et j'ai trop hâte de la tricoter. Alors regardez un petit peu. Vous voyez, je sais, non, vous ne le voyez pas trop à l'écran. Vous voyez un petit peu que c'est... Ah, on le voit plus sur le vert. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même, pas du tout la même qualité que la laine de chez Hedgehog. Regardez un petit peu, la fibre n'est pas la même. Donc ça, c'est intéressant, puisque donc ça va être mes chaussettes shakespeariennes et mes chaussettes shakespeariennes inspirées de la nature. Donc ça, c'est des laines qui sont vraiment... vraiment très belle, très belle qualité. Et alors, voyez, je vais faire la pointe avec ce petit bout. Et... Oh, regardez le petit mauve. C'est des couleurs que j'ai pas trop l'habitude. Et finalement, je pense que ça va le faire. Oh, ya, il est temps de prendre des vacances, je crois. Mais bon, bref, c'est pour voir la couleur, la lumière. Bref, c'est très beau. Et alors, allez, soyons fous. Je vais vous l'ouvrir. Donc, vous avez la petite laine ici pour la pointe qui est un petit peu en dégradé. Vous voyez les petits tons différents. Et cette laine qui est avec des petits speckles. On va l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. De toute façon, elle va partir en chaussette. Oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est hyper délicat. Voilà. Regardez un peu. Ah, sent fort la lavande. Ah oui, parce qu'à chaque fois, on vous met un petit sachet de lavande. Et là, c'est un petit sachet cousu. Un petit sachet cousu de lavande. C'est marrant, ça sent pas du tout la même chose. Des différentes lavandes. Donc, regardez. Il y a du bleu, il y a du rose, des petits speckles violets. Hop. Ah, j'ai tellement hâte de les tricoter. Bon, bref, il va falloir que vous reveniez. Hein. Vous allez devoir revenir pour voir tout ça. Oh là là, c'est tellement beau. Oh là là. Bon, il y a des gens qui sont très doués. Et je peux vous dire que... Bon, là, ça, c'est des laines anglaises, mais j'ai repéré des petites laines, des teinturières françaises. J'ai repéré ça et je me suis dit, oh, à la rentrée, je vais me faire une petite collection de chaussettes de teinture française. Donc, voilà. C'est très, très chouette. Voilà. Ça, c'est mon petit club.
Alors, c'était le petit club Lila du Cottage Garden, Sock Club Mystère du mois de mai. Et c'est du mérino et du nylon. Donc, bah, c'est très très bien ça. Et de luxe mérino en plus. Voilà, ça c'est mes petits achats. De laine et il reste encore des choses. Ah ben tiens, continuons puisqu'on est dans les... Là je vous tenne plus avec les chaussettes, mais voilà ce que j'ai prévu pour cet été. Je viens de m'offrir ce tricoter ces chaussettes. Alors attention, en français c'est tricoter ces chaussettes, en anglais c'est tricoter ces chaussettes à partir de la pointe, puisque ce ne sont que des modèles de tricot chaussettes et des explications, mais qu'à partir de la pointe. Moi c'est ma méthode préférée, je trouve. Donc elle vous explique pourquoi d'ailleurs sa démarche elle, de faire ça aussi. Et dedans, il y a 20 modèles, très jolis modèles, que je compte faire aussi. Donc il y a bien, plein, plein, plein d'explications, plusieurs méthodes. C'est très chouette. Donc je me suis pris ça pour aller avec toutes les laines à chaussettes que j'ai trouvées. Donc tricoter ces chaussettes de Wendy Johnson, il est vraiment très, très bien. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Je l'ai déjà feuilleté. Il y a des belles méthodes pour commencer ses chaussettes, finir ses chaussettes. Les explications sont très claires. Voilà, moi c'est ce que je préfère. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Oh, j'ai trouvé des petites merveilles. Faut que je vous montre. Donc, oups, je vous sors tout ça parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup. J'ai un petit peu regardé dans les projets que j'avais, j'ai regardé des podcasts un petit peu sur la broderie, enfin sur le point de croix, sur la couture, etc. Donc, et j'ai trouvé, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé des choses. Premièrement, je vais vous montrer un petit peu les projets que j'ai trouvés, puisque j'aimerais dans ma salle de bain mettre des cadres qui fassent un petit peu cabinet de curiosité toujours. J'aime beaucoup cette idée de... Vous savez, quand vous rentrez dans un lieu et que vous êtes comme dans un musée, vous regardez, puis vous... Ah, oh, waouh! Ah, c'est sympa ce petit coin! Enfin, voilà quoi. Donc là, j'aimerais égayer ma salle de bain qui est dans les tons corail. Et j'aimerais lui... En fait, c'est les tons corail, mais les rideaux, il y a du... C'est des oiseaux un peu verts. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de la nature. Donc j'ai trouvé ce magnifique point de croix d'un papillon qui est juste, juste beau. C'est superbe. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Cathy Barry. Je crois que je l'ai eu sur Etsy. Je vous mettrai le lien, c'est promis. Pardon. J'ai trouvé que c'était très sympa. Alors, je ne sais pas la dimension, mais un petit papillon comme ça, là, pour utiliser des différentes couleurs de fil, ça peut être très, très beau. Vraiment ressorti. Ça fait vraiment comme une collection de petits cabinets, là, j'aime beaucoup. Donc, la grille. Vous voyez un petit peu la grille. Je vais m'amuser. Mais vraiment, j'ai pas les dimensions. Tiens, c'est marrant ça. Eh ben non, j'ai pas de dimension. Bah si, normalement, il y a des dimensions. Ah. Non, c'est que par décompte. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Bon, je vous le dirai la prochaine fois parce que je sais pas. C'est 133 points par 74 points. 133 quand même. C'est pas mal grand, hein. Bref, il doit être très très beau, sous verre. Donc ça, c'est un de mes futurs projets. J'essaye de me faire une bibliothèque de modèles de points de croix. Et du coup, je me suis acheté des petits... Je vais vous montrer, je me suis acheté des petites pochettes comme ça. Et j'essaye de me faire une petite compilation, donc une petite bibliothèque de points de croix comme ça, là, que je vais me garder. Mes petits trésors précieux. Oh là là, complètement marteau avec tout ça. Et pour continuer dans les papillons, et alors là, je vais vous parler aussi de la personne qui les fait. Donc j'ai trouvé le butterfly cloche. J'aime beaucoup l'idée de mettre sous cloche le petit truc de papillon. C'est très très beau. Et en fait, c'est une créatrice qui s'appelle Liz Matthews qui a aussi une chaîne YouTube. Et elle vous présente ses modèles. Elle fait de très belles choses.
très belle chose. Elle est très sympathique. Alors, c'est en anglais, mais elle vous présente beaucoup de choses. Et alors, sa grille, elle est juste chouette. Parce que vous voyez que ça, c'est juste le haut. Là, il y a le côté. Vous voyez, c'est immense. Et pour vrai, c'est pas si grand. Hein, je pense pas. Hein, j'ai pas regardé les tailles. Vous voyez? Ah, ouais! Si, 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 c'est très, très grand. Je sais même pas si j'aurai assez de place sur le mur. Hein. Bon, bref. C'est 171 points de large et 191 points de hauteur. Bon, ça veut rien dire, c'est des tout petits points. Donc, on verra ça. Je m'y mettrai. J'ai pas de dimensions. Si, j'ai des dimensions, mais c'est en pouces. Et franchement, je suis archi nulle en la conversion. Il faudrait que je prenne une tape. Alors, attendez. Si je choisis une toile qui fait 16 fils. 16 fils, c'est pas mal. Après, on peut faire plus fin. C'est 10 pouces. Ah, 10 pouces et 5 huitièmes. Donc, à peu près ça. Ça fait 27 cm de large sur presque 12 pouces sur 31. 27 sur 31. Non, c'est pas si grand, hein, finalement. Ça fait 27 sur 31. Hop, à peu près. Bon, c'est pas si grand. C'est pas pire. Non, non, c'est très très bien expliqué. Hein. Il n'y a pas à dire. En plus, avec des fils DMC. Donc, les fils DMC, ça se trouve, c'est facile et c'est très très abordable. Bon, il y a quand même un peu de tout hein, dans les fils, j'avoue. Enfin bon, après, c'est pareil. Vous avez le plaisir de tricoter, mais de faire du point de croix avec des fils. Ouais, c'est des DMC. Les deux papillons, là, c'est tous les deux avec du DMC. Donc, regardez ce que je voudrais bien faire pour ma salle de bain. Ça, c'est très, très beau. Voilà, ça, c'est mon petit truc de point de croix. Ensuite, dans ma petite bibliothèque de point de croix, j'ai trouvé deux autres modèles que là, j'ai acheté chez Jardin... non, je vous dis des bêtises. Chez Jardin Privé, j'ai acheté de la toile. Chez le comptoir des fées. J'ai découvert cette boutique, vous savez qu'il y a tellement de choix qu'on découvre, on découvre. Et donc au comptoir des fées, le site, il y a plein de jolis modèles. C'est arrivé très rapidement, j'étais super contente. J'ai commandé trois modèles. Donc je vais vous montrer, il y a déjà ce modèle que j'ai vu passer. C'est des trucs de bonhomme de neige. Hein, donc bon, je trouve que, bon, entre nous, le modèle, je trouve que ça ressemble à rien. Mais j'ai acheté le patron pour la grille. Enfin, avec le reflet, on ne voit pas, je vais vous le sortir. C'est une marque qui est connue, qui s'appelle Ensign Design. Hop, et voilà, vous voyez, ça brille moins. Je trouve que le modèle ici est très beau. Cela dit, je ne mettrai pas, moi, les couleurs orangées, je mettrai plutôt des couleurs un peu briques, ou peut-être même dans les bleus, je ne sais pas. J'aime beaucoup le paysage d'hiver. Et j'ai trouvé, alors ça je ne sais pas ce que c'est, hein. Franchement, je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est un espèce de bonhomme de neige ou je sais pas quoi. Ouais. Donc, c'est un concept. C'est un concept. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris le concept. Vous avez les grilles. Et vous pouvez... vous avez les explications pour faire ça. Mais cela dit, regardez, si on enlève ça... Surtout au grand, en fait. Si on enlève le dessus, ça ressemble à un petit cosy. Et je me suis dit, oh, ce serait sympa de se faire un petit cosy d'hiver avec le beau motif en point de croix dessus. Ce serait peut-être pas bête, ça. Donc, du coup, je me suis pris quand même le modèle. Parce que je l'ai vu, en fait, je l'ai vu réalisé par une Américaine sur... elle a choisi d'autres tons aussi. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et je me suis dit, en petit cosy... Ça pourrait être très beau pour l'hiver. Ça ferait un beau petit paysage d'hiver. Hein, ce serait très sympa. Donc, à mettre dans la bibliothèque de point de croix. Oh, chez Comptoir des Fées, il y a tellement de choses que c'est difficile de choisir. Donc, je peux vous dire que j'ai eu du mal. J'ai pris un petit coussin avec une maison. Cela dit, quand je l'ai vu sur l'image, je n'avais pas vu qu'il y avait ce petit truc. Alors, il vous donne le tissu. À voir, à voir. C'est ce qu'on appelle un... Pin cushion, c'est un coussin à aiguille en fait. Vous voyez comment il est fait. Ça peut être
Ça peut être sympa à faire aussi. Mais pas tout de suite, hein, mais je me suis pris ça comme idée. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, puisque celui-ci m'a fait craquer pour ma cuisine. Ah, celui-ci, c'est un modèle français de couleur d'étoile. Oh, qui a... Alors, elle a une boutique Etsy, mais vous pouvez aussi trouver ses grilles chez Comptoir des Fées. Hein. Oh, si, juste bon, regarde. Alors, ma cuisine, par contre, c'est plus dans les tons rouges. Donc, j'ai décidé de le faire dans les tons rouges. C'est très joli, là, le petit bol. Et puis, alors, le petit oiseau, les bols à l'ancienne. En plus, j'en ai des bols comme ça, donc c'est très beau. J'ai décidé de le faire rouge. À la place du bleu, je vais le faire rouge. Et, j'ai cherché de la toile. Vous voyez tout le truc. Je me suis dit, oh, rouge, ça fait tellement penser aux torchons. À torchons à l'ancienne, etc. Que je suis allée sur la boutique de Jardin Privé, qui soit dit en passant, à deux. Donc, magnifique modèle de la toile chez Jardin Privé, puisque je me suis dit, oh, ce serait pas mal de faire sur une petite toile. Donc, j'ai commandé plusieurs toiles de lin chez Jardin Privé. Je trouve super qu'elles fassent des grilles et qu'elles vendent des toiles, parce que des toiles, en fait, on en trouve. Vous voyez, je le déballe avec vous. C'est des toiles, voilà. Tout était parti de ma toile, vous voyez, que j'avais faite. C'est cette toile-ci, là, que vous retrouvez... pour le stitch long, le sale d'un petit fil avec, vous savez, mes trois petits carrés. Et en fait, je voulais en retrouver de la toile comme ça. Et elle est assez difficile à trouver. J'en ai trouvé chez Jardin Privé. Donc, hop, j'ai acheté à nouveau un coupon de cette toile. Alors, c'est un coupon qui fait 50 cm par 35 cm. C'est largement suffisant pour faire des trucs de point de croix. Et regardez, à chaque fois que vous avez une toile d'une sorte différente, puisque celle-ci, c'est une toile Belfast, et celle-ci, c'est une toile Édimbourg. Et bien, vous avez la règle qui va avec. Mais c'est brillant. C'est... Oh, merci beaucoup, Jardin Privé. Mais c'est brillant. D'ailleurs, cette personne, elle a un petit nom. Nathalie. Nathalie, merci beaucoup. Je ne sais pas si elle regarde. Ça m'étonnerait. Elle ne me regarde pas, moi. Mais en tous les cas, si jamais elle passe par là, Jardin Privé, Nathalie. C'est juste intelligent d'avoir mis des petites règles qui vous permettent de savoir par rapport au centimètre le nombre de points, et ça m'aurait été très utile si j'avais regardé avant pour mes grilles. Bon, bref, elle vous met même que si vous brodez, par exemple, sur une toile Édimbourg, deux fils de trame, vous obtenez 7 points au centimètre. C'est absolument merveilleux, et vous avez la conversion 14 fils, 36 fils, parce que oui, les modèles anglais-américains comptent en points. 36. Et nous, on compte en fil, 14, ça ne correspond pas du tout. Donc, vous voyez que c'est vraiment différent. Bref, je vous montre un petit peu les toiles que j'ai trouvées. Vous voyez un peu la toile antique. C'est très beau la toile antique pour faire, pour faire mes papillons. Ça irait très bien puisque ça va ressortir sur le corail. Et ça va être très chouette. J'ai repris de la toile couleur lavande. J'ai pris de la toile à pois, puisque j'en avais déjà eu, je l'adore, j'aime beaucoup, je trouve que celle-ci, elle est très chouette, et il faut toujours en avoir. Et j'ai trouvé le beau modèle, regardez, la toile à carreaux, pour faire ce point de croix en rouge dessus. Ça fait vraiment torchon, ça fait cuisine. Alors, c'est de la toile Belfast, en 12,6 fils, c'est du lin. J'ai pris 50 par 35 cm, ce qui est largement assez, puisque c'est quand même un tout petit modèle. C'est pas très très grand. Il fait 120 points par 76 points, donc c'est vraiment petit. Et je pense que ça pourrait bien le faire. Hein. Ouais, c'est très très beau. Hein. Donc ça, c'est chez Jardin Privé. J'en ai jamais vu ailleurs. Hein. J'en ai pas vu ailleurs. Donc là, j'étais vraiment ravie. Donc ça, c'est... Oh, bah, vous voyez, hop, je le mets de côté. Ça va être un projet qui va aller dans le panier de l'été. Ensuite, j'ai pris une toile un petit peu plus... Oh, vous voyez pas trop, elle est un peu vieux rose passé, vraiment. Vieux rose passé. Je trouve très joli aussi, qui est doux. J'ai pris du à pois en bleu, qui peut être très sympathique aussi. Ah, j'ai pris un petit pêche.
pris enfin un couleur mauve, mauve clair. Ah, j'étais trop contente. Et puis, je peux vous dire que je vais y retourner parce que, franchement, déjà, les dimensions sont très belles. Si vous voulez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai pris des coupons 50 par 35. Pour des projets, enfin, 50 par 35, c'est déjà pas mal. Regardez. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'ai pris des projets comme ça. Hop. Oh, je suis ravie et je me fais non seulement une bibliothèque de patron, mais une bibliothèque de lin. Oh, c'est tellement beau le lin. Bon, donc il y a de quoi faire pour des projets futurs. Et je ne pouvais pas juste commander une petite toile, tant qu'à faire pour les frais d'envoi. Je veux dire, autant commander plusieurs projets. Donc j'avais attendu un petit peu. Et puis là, vraiment, je suis fan de cette trame. De ce lin. Ah, je vous cache la lumière. De ce lin. Voilà. Voilà pour les achats que j'ai fait. En tous les cas, tout ça, c'est vraiment ouais, le beau magasinage que j'ai eu. Hein. Je peux vous dire que là, j'ai fait un gros magasinage. Mais c'est pas fini. Bah non, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, c'est le gros déballage aujourd'hui, mais après tout, il faut que je vous explique. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite? Bah, je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai trouvées aussi, que j'ai achetées mais pour mes enfants, puisque comme ça, bah, hop, ce sera fait. Je vais vous les confier, parce que si vous avez des enfants, voilà, on va parler de l'été. Cet été, on va y aller relax. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de décompresser. On a eu une année tellement bouleversée, bouleversante, tellement de choses qui sont arrivées. Mis à part la situation mondiale en plus. Bon, bref, j'ai besoin de me reposer. Donc, j'ai prévu cet été de faire... En fait, si vous voulez, juillet, août, je vais me reposer. Enfin, me reposer, je vais faire plein de trucs. Hein. Je peux pas rester à rien faire. Mais je vais faire des choses... Vraiment, déjà j'aurais pu à conduire les enfants à l'école, les chercher, les repartir, etc. Donc, les repas, ce sera plus cool. Bon, bref, on aura un petit peu plus de temps. Je vais m'occuper du jardin, évidemment. Mais je vais vraiment passer plus de temps à faire des petites choses que je me suis fixée en objectif. Voilà, pour cet été, pour me faire plaisir. Et donc, du coup, j'ai prévu toute une sorte d'ambiance. Vous allez voir, je me suis prévu donc le panier de l'été. Hop, c'est un panier qui regroupe hop, tous mes projets, tous mes trucs que j'ai envie de faire cet été et de vous montrer à la fin de l'été. Mais criez pas tout de suite au loup, je reviens, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un podcast à la fin du mois de juillet. Je reviendrai pour un gros podcast à la fin du mois d'août pour vous présenter tout ce que j'ai fait. Mais je vous amène avec moi en juillet et août par des petites vidéos. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je n'ai pas trop envie de faire vlog, mais de faire des petits clins d'œil, des petits aperçus, comme des cartes postales de mes vacances qui sont dans mon jardin. Puisque cette année, en fait, on a décidé encore une fois de ne pas partir, de rester à la maison. On a plein de projets à faire. On a la piscine, etc. Donc, les enfants sont très contents de rester. Puis, c'est assez compliqué. Surtout que Victor va avoir des soins cet été. Donc, c'est très bien d'être à la maison. Et on a décidé de faire des pique-niques dans le jardin, etc. Et donc, du coup, je me suis prévu ça. La chaise longue, etc. Et donc, du coup, le panier de l'été pour faire mes petits projets. Alors, l'ambiance. Ambiance relax. Tout d'abord, ambiance country. Avec mon groupe préféré, les Dixie Chicks. Si vous connaissez, vous savez, enfin, elles sont juste bien, ces filles. C'est un groupe de trois femmes qui sont originaires du Texas, si je ne me trompe pas. Et enfin, je connais depuis très 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 longtemps, ça doit faire, ça fait 20 ans. En fait, c'est mon mari qui me les a fait découvrir quand lui était allé en Arkansas. Donc, il m'avait ramené un CD. Mon CD préféré des Dixie Chicks et le CD essentiel des Dixie Chicks. La fille qui est pas du tout à court. Ça, c'est que les deux hein, que je vous montre, mais j'en ai beaucoup plus d'autres. Hein. Ils en ont sorti un dernier là que vraiment je guette. Bon, bref,
C'est de la country, mais c'est pas de la country bluegrass. Le bluegrass, c'est de la vieille, vieille country vraiment ancienne. Vous voyez, bling, 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 la petite guitare. Ça, c'est de là, ce que moi, j'appellerais de la pop country. C'est la country moderne. C'est vraiment... Il y a de très belles tunes. C'est-à-dire, il y a des chansons qui sont un peu plus country, il y a des chansons qui sont un peu plus pop. Et en fait, c'est toujours avec ce petit son country que vous allez retrouver. Bref, j'aime beaucoup. Elles ont des textes qui sont très, très beaux. Il y en a peut-être qui sont un peu... Enfin, des chansons qui sont peut-être un peu moins entraînantes, mais en tous les cas, moi, j'aime beaucoup. Je connais leurs chansons par cœur, je les adore. Je les trouve belles, elles sont brillantes, voilà, elles font tout, bref, j'aime beaucoup les Dixie Chicks. Ça, c'est mon ambiance cet été. On laisse le blues un petit peu de côté, mais pas trop. Et ambiance country. Ça, c'est sûr. Il y a aussi Alan Jackson, qui est un chanteur de country, déjà, qui a du millage, mais qui est très bon aussi et que j'ai sorti et qui est déjà dans la radio. Bon, ça, c'est l'ambiance. Ensuite, avec ma fille, on s'est dit on va faire de l'aquarelle et j'ai offert à ma poupoune un petit livre qui s'appelle Mon herbier à l'aquarelle. Ça, c'est son petit cadeau de bulletin, entre autres. Et c'est juste superbe. J'ai trouvé ça à la Fnac. Et écoutez, je vous l'ouvre parce que vraiment, ça vaut la peine de regarder ce livre. Alors, hop, voilà comment il est fait. Vous avez les crayons de couleur aquarelle, le petit pinceau normalement qui est là ici, c'est un pinceau réservoir avec de l'eau. Donc vous dessinez avec vos crayons de couleur et vous coloriez. Et ensuite avec votre pinceau d'eau, vous venez rajouter l'eau pour faire l'aquarelle. Vous avez le carnet ici. Et je pense que ma petite poupette, elle a déjà fait des essais. Vous voyez ce que ça donne? Elle a fait des essais de couleurs. Je crois même qu'elle s'est fait des petites fleurs. Et elle s'est notée ce que c'était, petite chérie. Elle se l'est notée. Oh, cocotte, elle a même mis la date. Et vous avez le livre d'explication qui vous dit comment faire de A à Z. Oh, bah c'est rigolo, tiens, je tombe pile sur la bonne fleur. Hop. Oh, c'est trop, trop beau, regardez. Il vous dit vraiment comment faire, quelle couleur placer, etc. Donc, ça, c'est vraiment une initiation et à l'aquarelle. Et à l'herbier et à la botanique, etc. Donc ça, c'est vraiment son truc. Elle raffole de tout ce qui est botanique. Donc hop, c'est un très très beau livre. Il est bien décoré. Je trouve qu'il est super joli. Donc ça, c'était son premier bouquin d'initiation à l'aquarelle. Je vais vous montrer les autres livres. Ça peut peut-être vous donner des idées si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des neveux, nièces, peu importe, d'acheter des livres. Des fois, on ne sait pas trop quoi choisir et c'est juste génial. Bon, j'ai acheté à ma fille qui adore les trucs policiers. Ce livre, parce que faut faire gaffe parce que ça se colle en fait. Alors, ce livre qui s'appelle Énigme à tous les étages, il est super marrant à faire. Vous avez, regardez toutes les énigmes qu'elle a déjà faites. C'est un livre que vous devez utiliser en pliant les pages. Vous avez la page, vous pliez, vous ouvrez, vous avez des questions. Et vous devez répondre aux questions et résoudre l'énigme. Voilà. Et à chaque fois, il y a une énigme et vous avez la réponse à la fin. Et c'est vraiment, mais vraiment amusant. Alors, on a déjà fait la moitié. Chaque soir, elle en fait une. Elle fait une énigme par soir. Et voyez, ça se présente comme ça, en fait, les pages. Et vous devez vous-même les plier. Et quand vous avez résolu donc l'énigme, la page est pliée. Et vous passez à autre chose. Ce qui fait que, hop, votre livre... Il finit comme ça. Il finit tout petit. C'est brillant, hein? Voilà, donc ça, c'est le tome 1, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est le tome 1. Il y en a d'autres. Peut-être que je lui prendrai, puisqu'elle aime vraiment ça. Donc, ma fille, elle a 14 ans. Et ça fait réfléchir quand même, parce qu'en plus, vous montez en niveau de difficulté. Vous avez petite difficulté. Puis après, ah, c'est deux bonhommes de difficulté. Puis après, c'est trois bonhommes. Donc, plus ça va et plus c'est difficile. Mais c'est juste rigolo à faire. Voilà. Donc ça, c'était ses livres à elle. Pour mon petit bonhomme, je lui ai trouvé l'histoire des sciences et des techniques. Lui qui est très fan de techniques et de sciences. C'est un très beau livre. Qui va, pareil, au niveau historique.
Moi, j'aime bien le fait qu'il passe par vraiment dans l'ordre historique. C'est-à-dire, on part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui et il est vraiment très bien complet, très bien documenté. Donc ça, c'est bien parce que ça aide aussi pour l'école. Ça aide pour les cours à l'école, que ce soit en sciences, en histoire, en géo, tout ça, ça aide. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, je lui ai pris les Grandes Odyssées. Les aventures. Je trouve. Je savais pas trop quoi m'attendre. Il y a quelques personnages. En fait, je peux vous dire, c'est sur plusieurs personnages. Marco Polo, Calamity Jane, le Masque de Fer, le Loch Ness, Toutankhamon. Entre autres, il y a les grottes de Lascaux, la mission Apollo 11, etc. Donc, c'est des grandes aventures qui sont racontées aux enfants, mais qui sont assez bien. Ça fait pas de bébé, c'est-à-dire. Je ne sais pas s'il classe un âge, par exemple. Qu'est-ce qu'il donne un âge? Des fois, il classe par catégorie d'âge, mais là, non, pas du tout. Dès l'âge de 7 ans, en fait. Mais bon, je suis sûre qu'avant, vous pouvez prendre les histoires, c'est raconté, c'est. Mais voilà, c'est très, très intéressant. C'est pareil, c'est bien documenté. Comment je pourrais vous montrer une photo? Voilà, Calamity Jane. Vous avez l'histoire et vous avez des illustrations qui sont, somme toute, assez simples, mais qui sont l'homme au masque de fer. C'est intriguant pour les enfants, ils aiment hein, les aventures. Donc, ce livre, Les Grandes Odyssées, Les Grandes Aventures, voilà, c'est pas mal. Raconté aux enfants. Ça, c'est un bouquin que j'ai bien aimé avoir. Donc, voilà, ça, c'est les trucs qu'on va se faire. On aime bien se parler de nos lectures avec les enfants. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on va se raconter. Et alors, donc, du coup, passons au panier. Parce que, du coup, j'ai pas pu tout y mettre, moi, dans mon panier. Heureusement que je pars pas en vacances, hein, je vous dis, hein. Parce que c'est la voiture, la remorque et une caravane juste pour les projets, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est. Est-ce que vous emmenez beaucoup de projets, vous, en vacances, ou quand vous allez quelque part, est-ce que vous emmenez beaucoup de projets? Oh, moi, j'ai du mal. Non, mais en plus, je suis une dingue des chaussures. Enfin, j'étais une dingue des chaussures, je suis un peu moins. Maintenant, je remplacerai peut-être plus par les projets tricot, etc. Quand j'étais jeune et qu'on partait en vacances, surtout au camping avec mes parents, j'aimais beaucoup, en fait, avoir beaucoup de chaussures. J'aime beaucoup les souliers, etc. Donc, j'aime bien les changer. Et pour pouvoir emmener plusieurs paires de chaussures, parce que mes parents avaient dit non, mais là, faut se limiter. Donc, on avait chacun un petit sac. On n'avait pas une grosse voiture non plus, mais on était content de pouvoir partir un petit peu. J'avais mis des paires de chaussures dans les tés d'oreiller à la place des oreillers pour être sûr d'avoir assez de chaussures. Donc, bon, bref, voilà, j'ai toujours aimé avoir beaucoup de trucs. Et alors, maintenant, je crois que je les remplacerai par les projets tricot. Voilà, il y aurait toujours un petit projet qui arriverait à se coller dans la voiture. Alors, dans ce sac de l'été, c'est un panier de l'été. Vous voyez, on fait le panier au fil du panier. Et bien, en fait, ça va être un petit peu dans la continuité, sauf que voilà, ça va être mon panier que je vais vraiment vider cet été. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire cet été, notamment continuer cette petite boîte que j'ai commencée, ce petit pot de confiture. Je fais un. En fait, je trouve l'idée très très bonne et je vais peut-être même pas dire un échange ou un swap, une correspondance. Sylvie, je t'embrasse si tu me regardes. C'est sûr que tu vas me regarder à un moment donné. Mais c'est une correspondance de petits trésors qu'on a. En fait, on se fait un petit échange de petits trésors qu'on se fait et qu'on a. Et voilà. Et donc, du coup, Sylvie m'a envoyé ça, le couvercle, enfin le couvre-pot et des petites fresques à la fête. Et j'en suis gaga. Alors, pour tout vous dire, je suis allergique aux fraises depuis que je suis jeune. Et du coup, bah, je ne suis pas portée à aller vers tout ce qui ressemble à des fraises ou qui est des fraises, que ce soit du tissu, etc. J'ai peut-être un tissu avec des fraises. Mais je ne suis pas portée à le faire puisque inconsciemment, comme je suis allergique, je ne suis pas portée à ça. Mais je trouve ça trop beau! Alors du coup, je me suis dit, mais oh, regardez, elle me l'a fait au crochet, celle-ci. Et celle-ci au tissu. Oh, c'est beau, j'aime ça. Donc, pour mettre à côté de mes pots de confiture. Oh, regardez. Je vais me remplir mon pot
de petites fraises avec des petits tissus que je vais récupérer de mes petits restes de tissus. Je vais me faire un petit pot de fraises. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien finir cet été. Premièrement, faire le petit pot de fraises. Oh, je trouve ça brillant. Merci Sylvie, si tu savais comme ça me touche. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ensuite, bon, dans ce sac, je vais le poser par terre hein, parce que sinon, je vais... Hop, ça va être trop lourd. Dans ce sac, j'aimerais continuer en faisant, peut-être pas tous les jours, mais peut-être un carré par semaine, peut-être, parce que j'ai d'autres projets. Donc, un carré par semaine. J'aimerais bien finir ma couverture, la memory, memory, je sais plus parler, la memory blanket avec des petits carrés comme ceci. Alors, j'ai un peu de misère avec celle-là, je vais vous dire pourquoi. Mais je vais la continuer quand même et je vais vous dire, ce ne sera pas une couverture même. C'est de la laine très rustique. Vraiment, vraiment, vraiment rustique. Elle est très belle, elle est très chaude, mais elle est très rustique, ce qui fait qu'elle a du mal à glisser sur les aiguilles. Alors, je vous montre un petit peu la couleur que ça donne. Vous voyez un petit peu, ça c'est des couleurs qu'il y a dedans. On va passer du rose au vert, au bleu, enfin bref, ça va être l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si j'aurai assez pour faire une petite couverture. Mais j'ai pas envie de me faire une couverture, j'ai envie de me faire un jeté. Vous voyez, juste un peu la dimension d'une étole. Donc peut-être rajouter deux carrés. Voilà, que ça fasse quatre carrés de large. Et puis tout le reste en long. Donc ici c'est rose. Puis ça va grandir, puis ça va grandir. Puis on verra la taille que ça va donner. Alors déjà, j'ai fait ces carrés. Et il me reste encore suffisamment pour refaire ce double de carré. Donc je pense que je vais rajouter les carrés comme ça et puis après continuer dans les autres couleurs. Je me fixe un carré par semaine et je me mettrai des claques si j'y arrive pas. Non, c'est pas cool. Non, mais il faut absolument que je m'y fixe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère avec cette couverture là qui avance pas. Bon, et j'en ai envie en plus. Alors là, je me la suis mise dans un beau sac et je me suis dit, toi ma cocotte, tu passes en priorité le beau sac de la boutiqueuse. Et voilà, donc un carré par semaine, si on compte, bon je ferai pas beaucoup de carrés, hein, mais si on compte à partir de là, cette semaine, ça veut dire 10 carrés d'ici la fin août. Tiens, le petit loulou. Salut loulou, tu viens? Ah mon coco. Moi, tâche. Donc voilà, ça c'est le projet couverture. Un carré par semaine. Ensuite, donc vous avez vu la chaussette tout à l'heure que je vous ai présentée, la chaussette comme celle-ci, que je veux terminer. Voilà. Hop, dans son petit berlingot. Alors ça c'est un truc que je veux me faire aussi, hein. J'ai prévu de faire plein de sacs parce que j'ai trop de projets et j'aime bien, enfin, de toute façon je suis une dingo des sacs, hein, c'est fini les chaussures mais c'est les sacs maintenant et je trouve que voilà c'est trop bien pour ranger les projets. Moi je m'y retrouve comme ça parce que sinon je les laisse un peu s'éparpiller. Ensuite, je vais les prendre dans l'ordre, hein, comme ça il y aura un peu de tout, ce sera un peu mélangé mais c'est pas grave. J'ai prévu dans ce petit sac finir une petite nappe, hop, comme ceci. Ça c'est des nappes. Alors ne vous ruez pas dans les magasins puisque je ne vous garantis rien, mais à l'époque de Pâques chez Aldi, ma mère avait trouvé des nappes. Vous avez juste à suivre le motif pour broder, vous brodez par dessus puis normalement quand vous le lavez ça s'en va. Et donc elle m'avait acheté, oh, je dois avoir 3-4 nappes comme ça. Il y en a une que j'avais terminée que vous voyez des fois dans mon podcast. Et j'ai celle-ci que j'avais commencé. Bon. C'est des travaux maintenant. Vous voyez celle-ci, hop, que j'avais commencé et que j'aimerais terminer pour l'été, pour la fin de l'été, pour avoir une jolie nappe à mettre sur ma petite table de jardin. Voilà. Donc ça, c'est un petit projet. Vous voyez, c'est pas compliqué. Faut suivre les petites croix. Hein. Voilà. Ça, c'est un des projets de l'été. Je vous dis, je vais me reposer, mais je ne vais plus dormir en fait. Il y a trop de projets. Oh là là. Quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, hop, je mets ça là. Dans celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Surprise. Ah ben,
Encore une chaussette. Je vous avais fait le tuto en plus avec... Non, mais ça, c'est pas bien. Parce que je vous avais fait le tuto de la chaussette, comment tricoter une chaussette, hein, dans un vlog, je vous avais fait le tuto. Donc, c'était cette chaussette. Et vous savez que je n'ai jamais fait la deuxième. Donc, du coup, je me suis dit, oh, mais attends, je l'ai retrouvée. Il faudrait peut-être que tu la finisses, ma petite Lulu. Donc, je l'ai commencée. J'ai commencé, voilà, j'ai retrouvé le petit bout. Donc, hop, on est bon. Et je vais pouvoir finir de tricoter cette belle paire de chaussettes. Elle est très, très belle aussi. Bah, tiens, je pourrais la mettre sur les bloqueurs. Très belle aussi. Et donc, du coup, j'aimerais les finir. C'était les chaussettes qui avaient servi pour faire le tuto et que je n'ai jamais terminé. Donc là, c'est pareil. J'aimerais vraiment être à jour dans mes projets pour pouvoir démarrer en septembre à la rentrée avec plein d'autres choses nouvelles. Donc voilà, j'ai la chaussette de Victor à terminer. Et alors, oh, ça va être un été en chaussettes, à croire qu'il va faire froid cet été. J'ai acheté, vous savez que j'aime beaucoup Jules de Sweet, So Sweet Violet, qui a un podcast, c'est une anglaise. Et elle a créé un patron de chaussettes, vous ne le voyez pas, mais il y a une bande de dentelle ici. Enfin, c'est une légère dentelle, une bande de dentelle ici. Je ne sais pas si on la voit mieux. Sur une autre image. Ah oui, vous voyez, un petit peu mieux. Et elle s'est inspirée des digitales pour la faire. Vous savez que les digitales, ça fait partie de la liste de mes fleurs préférées. Et donc, du coup, j'ai acheté son patron qui s'appelle Foxglove Socks, qui est en anglais, sur Ravelry. Et j'ai sorti une laine que j'avais teinte pour les faire. Ça va me changer un petit peu de faire ces chaussettes-là, puisque la construction est un peu différente. Elle fait une pointe un peu ronde. Au lieu d'avoir une pointe un peu comme moi, là, comme ça, un peu en trapèze au bout, c'est rond. Et puis le talon sera différent. Donc j'ai choisi ça pour faire la couleur des Foxglove, des digitales. Je pense qu'on est bon dans les fleurs, là. C'est pas mal. Donc ça, c'est une laine que moi, j'avais teinte il y a quelques temps. Et que je me suis gardée. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais faire. Et enfin, ou presque enfin, ça c'est un projet. Quand j'aurai fini, et ça j'espère vraiment le finir cet été, quand j'aurai fini le beau pull là, avec la dentelle, le Whitmo, j'ai l'intention, et alors c'est rigolo parce que c'est pas du tout la même designer, mais c'est un petit peu le même motif, de faire le gilet. Vous savez que le Whitmore, il existe en pull, mais il existe en gilet aussi, en cardigan. Sauf qu'avant qu'il sorte en cardigan, il y a une autre designer qui a fait le même style. Et moi, j'avais acheté son style. Voilà, c'est un cardigan qui est le Wild Almond. Et de Sarah Solomon. Et j'ai, pour ce modèle, acheté de la Drops Alpaca. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux peut-être. Grise. Et j'ai eu l'idée, puisque ma fille, elle a un beau pull comme ça qu'on avait eu dans le commerce, j'ai eu l'idée d'y mettre un fil brillant comme ça que j'ai eu chez Hobby. Un beau fil brillant tout fin. Ça ne changera pas grand-chose à la dimension du fil. Et je pense que ça va être très très beau de faire ce petit gris brillant. Là, ça me faisait bien envie ces petites paillettes. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup commencer. Et puis, de toute façon, lui, c'est sûr, je ne le finirai pas avant l'été. Hein, mais c'est pas grave. C'est un beau projet que j'ai envie de faire et de commencer. Donc voilà. Ah, ben, on est pas mal bon, moi, je trouve. Et enfin, hop, on va finir sur une note colorée. Et enfin, j'aimerais beaucoup avancer. J'en suis déjà à mon quatrième rang. Avancer mon plaid. English Paper Piscine en jardin de grand-mère. Regardez, genre. Voilà. La dernière fois, je vous avais montré, j'avais fait que 3 rangs. Et là, j'ai rajouté le quatrième. C'est super beau. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est... Oh, les couleurs se marient bien. Alors, normalement, la prochaine étape, ce sera le orange. Donc, j'ai bien hâte. Parce que c'est quand même assez grand. Alors, par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le fasse maintenant sur la table, hein, en grand, parce que pour le plier et tout, je perds des bouts de papier, donc c'est pas cool, hein. Donc ça, c'est oh là 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 là, je l'aime beaucoup, ce plaid, c'est que de la joie en tissu.
Ah, voilà, il y a beaucoup de choses de faites, beaucoup de choses de présentées. Oh là là, ça va durer 3 heures. Bon, bref, je suis contente d'avoir pu tout vous préparer comme ça. Et oh, écoutez. Donc, je suis contente d'avoir pu vous recevoir à la maison aujourd'hui et de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, hein. Mais ça, c'est sans compter les petits trucs que je suis en train de préparer pour des amis, mais que je ne veux pas montrer ici, puisqu'elles vont les voir. Donc, voilà, et ça va être un été quand même reposant, mais chargé. Je vais faire pas mal de petits trucs. J'ai plein de petits projets. Sauf que, au lieu de faire, comme je vous ai dit, un gros podcast en juillet, je vous retrouverai pour le gros podcast au mois d'août. J'essaye de réfléchir à mes affaires. Mais par contre, au mois de juillet, plusieurs fois, j'essaierai de faire des petites vidéos où vous allez voir mes petits projets avancés, etc. Au lieu de vous montrer ce que j'ai fait à la fin du mois, je vous amène avec moi au long du mois. Et puis comme ça, eh bien, vous pourrez voir un petit peu tout ce que j'ai fait et me suivre et être avec moi et voir que tout va bien, que je suis toujours là et que je suis en forme, etc. Voilà. Ah, enfin, on se pose. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Que vous allez pouvoir passer du temps en famille et vous retrouver et surtout vous reposer. On va tous revenir à la rentrée plein de choses, plein la tête, plein de belles images, plein de projets. Voilà, faut se tenir et puis faut y aller. Et puis, il y a en train de déménager la maison de chien. Et que tout se passe bien pour vous, quoi, et qu'on se parle de nos projets. J'essaye de réfléchir. Oh, j'ai des surprises qui vont arriver. Je vous dis pas tout. Je vais pas tout vous dire tout de suite quand même. Mais j'ai prévu de faire des choses cet été. Donc là, je vous ai montré mes petits projets comme ça. Une paire de chaussettes, ça se tricote vite. Mais j'ai des petites choses prévues pour cet été qui vont être présentées à la rentrée, donc fin août. Je ne sais pas, vous préférez fin août ou vous préférez à la rentrée, je ne sais pas trop. En fait, tout va dépendre comment ça se passe. Parce que, non, avec la rentrée, c'est trop compliqué. Donc, je vous retrouve fin août pour vous présenter tout ça. Et après, on se souhaitera une bonne rentrée. Ça passe vite, pareil. Et on se retrouvera après la rentrée, parce que la rentrée, c'est toujours rock'n'roll. Hein. Donc, voilà, on se retrouve fin août. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, de toute façon, on se retrouve avant pour des... Je ne dirais pas des petits vlogs, mais des petites... Voilà, je vous enverrai des cartes postales de mes vacances. Hein, ça vous dit? On dit ça comme ça, c'est plus joli. Cartes postales de vacances en vidéo. Et puis, bah, je vous embrasse. Vraiment, merci beaucoup d'être toujours là. Merci de votre fidélité. Merci de vos encouragements, de vos petits mots. J'essaye toujours de répondre à vos questions. J'espère que je suis assez claire quand je vous le dis. Parfois un peu fatiguée. J'essaye de toujours garder la pêche. D'avoir la joie et l'énergie, et j'espère que tout ça vous plaît, parce que bah, il faut, hein, il faut garder un petit peu la joie. Et là-dessus, on se retrouve très bientôt. Donc prenez soin de vous, à bientôt et passez un bel été.